qui va le faire? Je connais pas. B. C. Oh! C'est parti. C'est différent. C'est différent. J'aime ça. 3, 2, 1. Bienvenue à la visite, tout le monde. OK, la visite, elle s'en va. Bye. Bye, la visite, ça va être l'épisode le plus court ever. 30 secondes. Mm-hmm. Un invité curieux aujourd'hui. Curieux? Comment ça, curieux? Je sais pas. Parce que je tenais de dire un invité spécial aujourd'hui, parce que je dis à toutes les cas. C'est ça, moi je suis le seul qui n'est pas spécial. Un invité très spécial aujourd'hui. Stress spécial. Jasmin Pédale Pédalo. Bonjour tout le monde. Pas Pédalo, Pédalo. Get it right, bitch. Calice, ça fait juste 15 ans qu'on se connaît. Ouais, ça fait pas juste 15 ans. Ben, depuis le high school. Ça fait comme. On avait 15 ans quand on a commencé. 2 ans et demi. 15 ans. 15-16 ans. 16 ans. Dans le top. En tout cas, sors la calculatrice. Ouais, 2017 moins 2000. 17 ans. C'est en 2000 qu'on a commencé? Ben oui. L'année, hein? Oui, 2000, bon. 2001. Bon, mais 17 ans. C'est pas très dur à calculer, celle-là. Là. Hey. Fait que Jasmin, t'es un fan du podcast, j'ai entendu. Ah, gros fan. Oui? J'ai écouté tous les épisodes. Toutes? Oh oui, oh nice. Oui, tous les épisodes. Quand une après l'autre. Quand est-ce que t'écoutes ça? Principalement en auto, je vais vous dire, parce que où est-ce que je travaille, comme je peux pas écouter, j'écoute pas un podcast, whatever. Quand je travaille, j'ai bien de la misère aussi à me concentrer si j'ai de la musique en arrière. Ouais. Fait que c'est pas mal quand je drive. Cool. Quand je conduis, n'importe où. J'embarque dans le char, puis il va automatiquement parce qu'il est habitué. Quand... Hang out avec les boys. Hang out avec les boys. Là, je suis là, je ris. Là, je réponds des fois à ce que vous dites. C'est ça, je m'en ai demandé. La plupart du monde me disent des fois, là, vous dites de quoi, là, puis c'est tout crush, puis ça me tente de vous appeler, vous crier après. Ouais, c'est pas ça la réponse, moi. Oui, exactement. Mais là, j'oublie. Je suis comme, ah, oui, mais ils l'ont fait 3 jours passés. Je peux pas y envoyer un texte dire, hey, c'est un brevet, calice. Un brevet? Oui, l'autre jour, vous aviez parlé de. Mais c'est quoi en anglais? C'est mettre un brevet dessus. Un patent. Un patent. Là, vous avez dit, un patent. C'est quoi ça? Un patent. Là, je dis, c'est un brevet. Un brevet. Mais je vous écoute beaucoup. J'aurais jamais guessé que c'était un brevet. Fallait bien attendre 3 semaines pour avoir un invité qui nous dise c'est un brevet. Merci pour la correction. Ben non, c'est pas une correction, c'est juste une éducation. Merci. Vous devez en avoir pas mal à ça. Sac et doux. C'était poli, ça. Les gars, vous avez bien des intérêts, mais le français proper, c'est pas une des autres. Moi, je parle pas un bon français, mais j'ai des petits mots de même que. Ouais, mais je n'ai appris de vous autres aussi, là. Ah oui? Ouais. Comme en quoi? Non, il n'y en a pas, mais il vous en donne. De l'aube, quoi encore? De l'aube au crépuscule. Ça va être ça, je savais pas ça. Le coucher du soleil. Ouais, ça, tu me l'as appris. Ben, je ne sais pas quand est-ce que maman servait. C'est Marie-Pomme qui t'a Ouais. Ben, je prends ce qu'elle dit pour du cash. Là. Dans le fond, tout bien qu'elle est ici. Tellement bullshitters. Elle est en brume, tête. Je suis en train de penser, comment est-ce qu'elle m'a utilisé ça dans la vie de tous les jours, de l'aube au crépuscule, genre? Ben, puis ça va, moi toujours, ben, de l'aube au crépuscule. Le monde ça se dit, tu sais. Le monde va te regarder bizarre. Ouais, dit, crépuscule, y a-tu le crack, là? Tu sais, c'est une funny base. On va-tu là? On va ouvrir notre bière pour commencer, peut-être. Ouais. J'ai soif déjà, moi, ça se peut-tu? Explique-nous, là, parce que l'habitude, c'est nous autres qui est en charge d'amener ça. Ben, d'habitude, là, je pense. Hein. Je sais pas, si tu veux toujours vous autres qui fournissez ça. Ben oui, tabarnak, le monde sont cheap. Non, c'est pas vrai, ça. Moi, Nov, il m'a dit, il faut que j'emmène 6 bières puis une bouteille de vin. Tu veux être sur le show, là, tu vas nous payer $10. Ah, ben non, c'est rare. Ben, c'est la première fois que quelqu'un offre de. Pour le vrai? Mais c'est pas la première fois que quelqu'un apporte de la bière. Ah. Mais comme d'habitude, je vais au LCBO, j'en pogne une coupe. Ouais. Mais t'es le premier qui a dit, inquiète-toi pas, j'apporte je la bière. Mais tu sais pourquoi? Moi, ça me dérange pas de la ramasser. C'est le fun de choisir. Oui, c'est moi, j'étais un sucker de premièrement, du nom que ça a canne, puis le dessin. Ouais. Comme la kick and back, je suis comme, wow, c'est cool. Là, la bière peut goûter à amande. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle goûte. Tu peux bien lire la petite description. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle goûte. Mais la canette, c'est belle. Puis d'où est-ce qu'elle vient et tout. Si elle vient dans le bout, c'est encore comme plus tentant de l'essayer. Une fois, j'arrive au cash avec une bière, c'était les Trailer Park Boys. Ouais. Puis le label était cool. Là. C'était Bubbles. Puis les autres. Julian. Ricky. Puis ça va la fucking cool. Là, le gars, il scanne mes autres bières. Il arrête, pogne celle-là. You ever have this, man?
suis comme, yeah, no, but it's pretty cool, eh? C'est comme, tastes like shit. Tu l'as pris pareil, hein? Non. Ah, moi, j'aurais dit, fuck, you, mais ça devrait fuck, être, hein? Ça devrait être leur slogan, genre, cool can, tastes like shit. Tastes like swamp Sold water. Sold 15 million. Oh, this is brilliant. Good can, tastes like shit. Bubbles à visite, oui. Eh, boy. Avez-vous écouté le nouveau spécial sur Netflix? De Trailer Park Boys. Moi, j'ai jamais rentré là-dedans. Moi non plus. C'est ça, je vais en dire. Je connais vite fait, mais j'ai jamais vraiment rentré là-dedans. Moi, je sais qu'il y en a un qui se promène avec un ride tout le temps. Je trouve ça bien cher, mais j'ai jamais regardé le show. Cool. Il y en a un qui sont en visite à Memphis. Oh. Puis, non, Nashville. Excuse. Memphis ou Nashville? Nashville. Puis, ça il rencontre. Non, pas vraiment. Il se promène dans. Il arrive à Wendover. Il arrive à Corinne. Puis, il rencontre le lead guitariste de Rush. OK, cool. Je sais pas si vous le replacez, le gars. Je sais pas c'est qui le gars, mais je sais c'est quoi, ouais, Rush. Puis là, il est comme un bum dans la rue. Puis comme, hey man, c'est ce qui se passe? Ah, oh, t'as perdu mon argent, blablabla. C'est pas vrai. Pas vrai, fond, là, mais ça fait juste fitter dans le scénario de Trailer Park Boys. Fait. Écoutez nice. Ça, si vous avez pas eu la chance. Êtes-vous des fans de The Office? Oui. C'est bon, hein? Oui. J'ai, ça, je peux réécouter ça. Je le mets tout le temps, oui. Comme sur background, repeat. Comme? Ou, ouais, ouais. Comme tu fais quelque chose, là, tu pops. Ouais, c'est ça. J'ai juste Netflix, fait que je vais n'importe quoi. Mais ils viennent d'annoncer qu'ils vont faire un spin-off avec une couple de characters originales. Il marche pas. Comme, mais il n'y aura pas Steve Carell. Non. C'est plate. Ben, The Office a commencé à pu être bon quand Steve Carell n'était pas là. C'est y en a, juste c'est différent. Ouais. C'est... Mais moi, Ryan Wilson, c'est ça son Ryan Wilson, celui qui fait. Jim? Non, pas Jim, son nemesis. Là. Ah, Dwight. Dwight. Est-ce qu'il est bon, man? Dwight Schrute. Dwight Schrute. Avec ses betteraves. Avec ses betteraves. C'est bon, ça. Non, lui, ouais, c'est ça. T'as besoin du bon mix. Puis là, t'enlèves une partie. Ça... Probablement, t'aurais commencé avec ce show-là, sans Steve Carell, une autre affaire. Ouais. Ça aurait été bon. Mais là, t'es encore dans le background qu'il faut que ça soit comme avec ouais. Steve Carell. Ça marche. Parce qu'il se fait remplacer c'est un bon par... point, ça. C'est vrai, parce que là, t'as juste ça dans la tête, puis il n'y a rien qui va le remplacer. Non, t'as bien raison. C'est quand il se fait remplacer par Will Ferrell. Ouais, c'est ça. C'était drôle, mais c'est drôle, comme. Exactement. C'est comme. Two and a half men. Mais je dis, tu vois. Yes. C'est pour ça qu'on t'a gardé pour la visite numéro 12. Ouais. Si on aurait commencé avec Jasmin Pédalo, ça la visite numéro 1, ça aurait été downhill. Là, le monde, il aurait été, oh my le charrette, il arrive. Point, point, point. Shout out, charrette. Ouais, mais au moins, il joue de la guitare, lui. Ah, ouais, il nous a même écrit une belle intro. Ben oui. Shout out à Mathieu Charrette. Oui, l'intro de la visite, c'est que, composé. Ouais, go, dis-le. C'est composé par Mathieu Charrette. Tu finis de parler de... Vas-y. Là. Vas-y. Hein? Un moment donné, on parlait des noms de famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Puis là, on check charrette. OK, c'est une brouette. Une charrette. Ouais. Une charrette. Puis là, je suis. Fuck, moi, mon nom, Charon, ça sonne similaire. Je check. Un charron fabrique des charrettes. So, je suis comme, pow, je suis ton king. Shut up, bitch. T'es ma bitch. Ça, c'est nice, ça. C'est nice. Mais c'est quoi Clément? Clément, ça veut juste dire. Il vend des chose. Clémentines. Non, c'est quelque chose qui est bien, quelque chose qui est juste. Je suis Clément. Comme la température est clémente, ça veut dire qu'il fait beau mais dehors. T'es Clément, toi. Ouais, t'es un garçon. Un garçon Clément. T'es un astifi de Clément. Un petit Clément. Moi, Pélado, un gars, que je faisais des trous. J'avais la pelle au dos. Pélado. Faisait des trous. Moi, je check ça. José, je vais vous dire c'est quoi, Pélado. Bon, on a introduit tu la bière. Oui. Vas-y, fais ça, m'a checké c'est quoi ton nom. C'est moi qui ai trouvé ça. Black Creek Historic Brewery. J'ai juste aimé à cause de la canette, c'est Canada 150. Ouais. Best Bitter Taste. Ça vient de Toronto, Ontario. Un beau petit du monde des pioneers dessus. Pis tout, ça, c'est... Des coureurs des bois. Des coureurs des bois. Des fourreurs. Des fourreurs des, ouais, des bois. Mm-hmm. Pas des bonnes nouvelles pour toi, mon gars. Sorry, we couldn't find geographic distribution information for the Pelado last name. Fait qu'il y a quelqu'un qui est rendu au Canada un moment donné. Ben, comme. Il a pilé dans l'eau. Moi, je comprends Pelado. Pas. Pelado. Il a pilé dans l'eau. Pelado. Il a pilé ah, dans ça sent l'eau. Bon. Anyway. On est ouvert à ça. Mais il y a des noms qui étaient juste rendus trop gros quand on colonisait le Canada. Fait qu'ils l'ont changé, comme ils ont donné un petit spin. Fait oui. Que ça se peut que c'était quelque chose d'autre avant. Ben, il n'y a rien qui est proche que ça. Mais moi, je comprends pas parce que regarde Pierre-Carl Pelado.
Tout le monde a entendu ce nom-là quasiment. Qui ça? Pierre-Carl Pilado. Non, ouais, en tout cas, au Québec, c'est big. Il était quasiment tout politicien. Le il appartient au gros millionnaire là, au Québec. À chaque fois que je vais au Québec, ça là, ring mon nom, ils disent « Tu peux aller hanter avec PK? » Non. Comme c'est pas drôle. Mais en tout cas, tu penserais qu'un gars riche de même, il aurait fait sa propre. Il aurait recherché ça, puis ça serait en quelque part. Il serait, oui. Il serait, fait que là, ça, je le saurais à cause que lui, il est parenté. Mais non, il n'y a pas grande information sur des pelados. Ben écoute, je ne vais pas passer un heure à checker. Je suis certain que si tu regardes toi-même, là, si tu es fatigué, tu vas le trouver. Là, tu vas être dans ma photo. Tiens, je vais tenir. Tiens la dent. Tiens la dent. Tiens. Bouge pas. Tiens la dent. Quinte-oui. Bon. Elle est vraiment bonne, hein? Hey, ouais, cette petite app-là, là, c'est ça que tu fais, là? Ouais, ben c'est ça que je fais, là. Mm-hmm. Ça va. Petit ritual. Ben, cheers. Une belle couleur aussi. Ouais, hein? Oh, vous l'avez mis dans un verre, vous autres. Un petit brun. Moi, je suis un fan de cacane. Elle coûte ben, bonne. Ça coûte tout. C'est beau, ta voix. C'est ça qui est le fun. Cheers. Cheers. Qu'est-ce qui est le fun avec toi quand je te vois pas? Oh yeah, here we go. Je te vois pas. Qu'est-ce que j'aime avec toi? Pas besoin de catch-up. Non, c'est ça. On se garage des niaiseries, là, on s'en va chier un peu. C'est ça. C'est ça. C'est puis le fun. Mais ça cause. Il y a rien à catch-up, il y a rien qui se passe. Pas grand-chose qui change, là. Ben oui, il y a plein d'affaires qui arrivent, mais il n'y a pas comme. C'est peut-être une affaire de boys, ça. C'est ça. Je pense que c'est le même. Ah, ben oui. Tu le sais que t'es un bon chum, que quand tu le revois, puis ça fait 5-6 mois que tu n'as pas parlé, tu peux retomber dedans comme si ça fait 2 jours que tu l'as pas vu. Je sais pas si les filles, c'est comme ça. J'ai l'impression que non. Moi, je trouve que si les filles se parlent pas, les disent « Es-tu fâché contre moi? » Ah, ben oui. Elle m'a pas parlé. Je pensais à la même affaire de toi les 2 semaines passées. Ça fait 8 jours qu'elle m'a pas parlé, là. Elle est un peu bizarre. C'est vrai que la dernière fois, elle m'a texté un peu rude. Ça, c'était une affaire de texte. C'était sec. C'était elle sec. A mis un petit peu trop de points d'exclamation. Ben, elle a juste mis 2 smileys. D'habitude, elle met 3 smileys. Oh, fuck. Elle l'a pas trouvé drôle, ma joke. Sec. Ah. T'es-tu un gars d'emoji, toi? Jamais. Non, jamais. Moi, là, j'ai pas le temps de les trouver, Chris. Tu il y a jamais l'emoji que je vais avoir. Ouais, écoute, moi, je suis un gars d'emoji. Mm-hmm. Ouais. Tu es un gars d'emoji, toi? Mm-hmm. Je suis un gars de ben des petits points, moi. M'écris une phrase, là, puis point, point, point. Continue ma phrase. Point, 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 exclamation. Mais je ne mettrai jamais comme 3 points d'exclamation. Ça, je trouve que c'est too much. Oui, à moins que je te dise quelque chose, genre, pour comme t'envoyer chier. Là, j'en mets ouais, comme en joke, puis je vais en mettre pas mal. Ou quand dorénavant. Quand hey, Mart, tu fais plein de points d'exclamation. Barnac. Quand quelqu'un ne te répond pas, là, puis renvoyer comme allô, 3 points d'interrogation, là, ça, c'est insultant. Ça, c'est insultant, ça. Mais réponds-y. Ben, non, mais t'as barnac, je travaille. Non, mais tout est poche pour ça. Oui. Fais pas un texte. Ben, des fois. Mais des fois, ça n'a même pas besoin de réponse. Hey, je te vois là-bas. J'ai pas besoin de te dire, OK, je l'ai eu, j'ai un téléphone, puis je vais être là. Toi, là, avant de chialer, là, m'a dit de quoi. On a une bonne histoire pour toi. Vas-y. Go. Quand on voulait avoir Damien sur le show, ouais. Damien nous a ditchés. Ouais. Pogne ton phone, Marc. Ah oui, c'est trop. Moi, j'ai acheté ton phone. Fait que là, Damien nous a ditchés. Ouais. Presque dernière minute. On va appeler ça dernière minute. Ouais, vous n'aviez pas eu personne pour ça. Fait que là, on a fait un show, moi, lui puis Boris. Ouais, ouais. OK. Puis après ça, on voulait t'avoir sur le prochain ou dans le prochain. Puis là, tu dis. En tout cas, on m'a laissé Martin prendre le micro puis expliquer le restant de l'histoire. Ça a rapport à toi. Regarde-moi okay, pas avec ton œil. Il a fait quelque chose. Écoute. C'est rien de mal, là. C'est juste drôle. C'est rien de mal, c'est drôle. C'est on va drôle. Te mettre sur le spot. Mais moi, tout, je sors mon téléphone. Il va ça. La voix grave. Moi, tout, je sors mon téléphone. Ça a l'air sérieux quand on sort les téléphones. T'as une voix de radio, toi. Ouais. Tape ses nerfs un peu. En tout cas. Tout ça pour dire, hein? Écoute, on est des bons chums, puis c'est ça qui est le fun. Demain, on a un opening ça, à la visite, bon. 2 heures, si t'es libre, mais attends, sinon, ça, mardi. Ça, c'est la conversation entre toi et Jazz. Ouais, fait que là, je t'arrête de texter avec Jazz. On a une ouverture demain à 2 heures, blablabla. Bla, bla. Ça, c'était la semaine passée, lundi. Là, 2 heures, ça marche. Non, je peux pas, demain, c'est trop last minute. Mardi prochain, pas de problème. Tiguidou. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Ouais, là, il m'a dit... Cette semaine. Ouais. Lundi, je pense. Non, écoute. Parle plus, toi. Trouves-tu? Moins que c'était dans le texte avec moi puis toi.
Bon, fuck la patente. Bon, tout ça pour dire, tu dis, je ferai pas comme Cowboy, moi, le déchet à la dernière minute. Mais j'étais pas à derrière. La journée après. Les boys, on peut-tu remettre ça à jeudi à la place de mardi? Mais je serais pas comme Cowboy, je serais pas un dick. Là, je suis comme, Cowboy. Là, une texte, c'était quoi? Mardi matin. Don't wanna be a dick, mais on peut-tu remettre ça à jeudi? Mais au moins, je suis excusé. Mais j'ai aussi dit, je suis pas mal certain. Si ça marche pas, on le fait pareil. Oui, non, demandé. Don't want to be a dick, but could we move it to Wednesday or Thursday or Friday? If not, it's okay, I'll make it work. C'est ça. Fait que ça, c'est pas, j'ai pas cancellé, j'ai juste demandé, on peut-tu faire une autre journée? Ça peut marcher pour tout le monde. Moi, je reviens plus si je suis pour me faire mettre ce spot. Là, allez-vous sortir mon enfant que ça fait 5 ans que j'ai pas vu, là? Le petit Jerry qui sort du garde-robe. Non, ouais. Dad! Oh, wow. Non, c'était juste deux kids. C'était juste drôle, Jess. Oui, deux enfants, un garçon de 6 ans puis une petite fille de 5 ans. C'est sharp de te voir aller. Je te dis, je ne changerais pas rien là-dessus. Certain, c'est the best. C'est the best. Ah oui, ah oui. Puis, Chris, ça change quelque chose comme. Ça n'a pas d'allure, mais... J'imagine, oui. Puis ils ont un an et un mois de différence. Fait que ça, c'est sharp, ça. Même, c'est à cause de moi et de mon frère. Hein? On est un an jour pour jour de différence. Jour pour même jour? Fête. Même jour de fête, mais un an de différence. What? Beat that. Ça, je savais pas ça. Mais beat that. Ben, fait que moi, mes cousines, c'est des jumelles. Beat that. Ben, c'est pas, c'est on est la même journée, bitch. Ben, moi, j'ai toujours deux jokes avec ça. Je dis toujours, fait que moi, mon premier cadeau, c'était mon frère. Ouais, là, le monde, il fait ça. Mais vous vous arrangez bien comme frère, vous. Toujours, esti, j'aurais dû garder le reçu. Non. Ben oui, je m'entends bien, Chris. Je travaille avec lui. Je le vois à tous les jours. Ouais, je sais bien. Mais moi, je vis avec le mien. Je travaillais ensemble, on se criait à tout bout de chien. Ouais, des fois, là, on travaillait sur un chantier de construction, puis on se criait après. Puis on tournait le coin, puis il y a quelqu'un qui nous regardait comme. Ça te bien fucké, vous autres. À base, on sort de la maison, qu'on travaille dedans, puis ouais. Oh, c'est drôle, là. Ouais. Ça n'a pas d'allure, hein. Pensez-vous que les enfants qui sont plus proches en âge, ils ont plus de chances de faire des mauvais coups ensemble? Ben probablement. Oui. Ouais. Ouais, juste, parce que plus c'est un troublemaker. Je dirais pas plus troublemaker, mais tous les jeunes vont faire des coups. Ouais. Mais là, vu qu'ils sont ensemble, ils vont faire des coups. Mais parce ensemble. Que moi, mon frère, ouais. Il avait 4 ans de plus que moi. Ouais. Fait que j'avais pas vraiment la chance de comme. Tu hangs pas trop. Je pense que c'est un Kevin, là. Ouais. Ton frère nous regardait à wrestling quand on était plus jeune. Je suis certain qu'il était comme. Me tiendrais pas avec eux autres, moi. Faudrait avoir ton frère sur le podcast qui parle de ça. Là. Miguel. Hey, on était dans le salon et on regardait de la wrestling, là. Dans le temps de Rock. Oui, oui. Mais, Steve, okay. Austin, ouais, Stone Cold. Ça, là, comme même. Ah, l'année jeune. Passée, là. Est-ce qu'ils ont pu voir Austin? Là, il rentrait dans le salon, puis. Ça, c'est-tu Stone Cold, ça? Ben non, Mick, c'est Mankind. Oh, OK, il rien de ça. Quasiment un papa qui arrive, là. Ouais, oh, moi, toi, j'étais bon dans le wrestling. Ben, à cet âge-là, 4 ans de différence, c'est big, là. Ben oui. Parce que tu parles 12 ou 8, là. Crime, il y en a des affaires que tu fais à 12, tu fais pas à 8, là. Et etc., etc. Il avait pogné son appart en ville à 18 ans. Oh, ton frère? Ouais. Puis t'allais-tu le voir party avec lui ou? Party, mais j'avais 14 ans, là. Je veux dire, c'était pas. Mon frère, c'est pas un partier non ouais, plus. C'est ça. Ouais, mais lui, ouais. Ça t'a pogné un appart sur la rue. Non, mais c'était Sandy Hill. Puis c'était pas un appart à lui de ça, il y avait une chambre chez une madame. Ah, oh, OK. Madame Brennan. Chambre en ville. Ouais. Fait que vois-tu. C'était belle, madame Brennan. She was the first. Fait qu'il y avait juste I will always remember. Son logis, là. Puis après qu'il avait fini son université, il avait dit Marc, prends mon appart, c'est pas cher, je pense que c'est comme 400$ par mois. Puis la madame, elle faisait à souper à tous les soirs. Wow. Mais là, t'arrives au collège, t'as 18 ans, tu veux sortir avec tes chums. J'allais souper avec mes chums, boire une bière. Je revenais à la maison, Madame Brennan. Je t'ai fait ta souper dans le chambre. Je mangeais encore. Là, j'étais juste comme pas capable, mais comme tu voulais, tu te sentais mal. Faudrait pas que tu fasses ça aujourd'hui. T'aurais de la misère à perdre le poids. C'est ça le mal à la tête. C'est ça que tu fais comme ça. Tu vas souper au resto, t'as vu Marie-Pierre. Je t'ai fait ta souper. Jazz, okay. Rentre dans la place. T'as l'air si boire, Jazz, t'es donc bien maigri. Ben, tu sais, je suis en shape, là. Je me tiens en shape, là.
Là, je pense, mais moi, tout, j'essaie. Ça part pas, quoi. Non, qu'est-ce que tu fais? Mais tu travailles physique aussi. Oui, mais plus autant. On va dire, je suis souvent sur, dans c'est le bureau. C'est une sweatshop, comme quand on travaille ensemble. C'est là, ça, là. Je fais travailler tout le monde, puis moi, je travaille pas. Non, mais tu sais, dans une shop... Non, c'est... ma shop est vraiment pas pareille. Mais premièrement, on n'est pas une grosse shop. On est moi, mon frère, mon père, puis mon... le cousin à ma blonde. Cool. Comme... Fait que moi, je dis c'est comme mon cousin. Parce que c'est pas comme association. Fait que moi pis Jazz, on a travaillé. Ben, Jazz m'a pogné une job un moment donné. Les temps étaient durs, puis. T'avais besoin d'une job. Ben, quand tu travailles en construction, des fois, dépendamment du métier, quand il n'y a pas d'ouvrage, faut que tu prennes ce que tu peux. Puis Jazz, il dit, ben, tu sais, viens appliquer. On cherchait tout du monde où ce que je travaillais. Ouais, il faisait des escaliers, puis c'était vraiment cool, mais j'étais vraiment pourri. Pis c'était pas ton métier. C'était wasn't vraiment your calling, mais tu te débrouillais, t'étais pas le pire. Tu rentrais à tous les jours. C'est ça, Dredd, là, t'es comme bien mieux que bien du monde. Parce que écoute, le monde j'ai aimé ça, mais j'étais découragé parce que j'apprenais pas assez vite. Puis quand j'apprends pas assez vite, je me décourage. Puis notre boss, il était quand même dur, ses nerfs, en soi. Ouais. Puis toi, quand t'as la pression que tu... Là, tu stresses, puis t'es quasiment pire que si tu l'aurais juste fait normal. Je pense que je suis rendu pas mal mieux avec ça parce que je m'y mis dans des situations de même une couple de fois. Ben, surtout dans notre métier, Mart. Hein. En real estate, c'est high pressure. Mais non, j'avais... écoute, c'est une belle opportunité pour moi. Puis regarde, qu'est-ce que tu fais à ça? T'as parti ta propre compagnie, tu fais des escaliers, des choses comme ça. Oui, exactement. Super intéressant, puis t'es un des meilleurs. Puis comme tu dis, là... Mais 10 ans, 12 ans passés, quand j'ai commencé à faire des escaliers pour le vrai, là, j'étais à l'université puis je faisais ça part-time avec mon père, parce que mon père travaillait dans la compagnie d'escaliers. J'avais de la misère à clouer un clou. Je te mens pas. Là. De la misère. T'as commencé tard à être hands-on. Oui, c'est ça. Moi, là, je m'en allais pas faire ça. J'étais à l'université en mathématiques. Je m'en allais pas faire des escaliers. Tu voulais devenir enseignant, je me trompe pas. Enseignant de mathématiques. T'as même fait un tatou sur une cuisse ou quelque chose de même? Ah non, ça n'a pas rapport. Ça pas, c'est pas un signe mathématique? Ça n'est un genre de signe, mais pas vraiment. Modifié. C'est pour juste ces trois anneaux, puis c'est moi, mon père, mon frère. Ah. Puis mon père, il l'a, puis mon frère, il l'a. C'est cher. On a les trois le même tatou, mais ça veut dire plusieurs choses en plus. M'allez me faire le même. Moi, je l'ai, mon père l'a, Max, il l'a, puis Chris Charon. Ben, tu connais le third. Tu es assez third wheel, tu le ferais tellement. Oui, c'est ça. Oui, oui, mais c'est ça. À la journée que ma fille est née, fait que 5 ans et demi passé, whatever, j'ai dit, je pars en business moi-même. Bon. T'as bien fait. Tu fais bien, puis ta shop, c'est super intéressant. Oui, c'est le fun. C'est la shop est chez nous, c'est the best. Je mets les jeunes sur l'autobus le matin, pour aller les ramasser. Des fois, ils viennent dans la shop, ils viennent voir grand-papa, ils viennent voir mon oncle Max. Ça, c'est le fun. Ça, eux autres, ils doivent trouver ça super sharp. Ils sont peut-être trop jeunes en ce moment pour réaliser à quel point c'est cool. Oui, mais... Ils connaissent pas rien de différent, en fait. Ouais, puis c'est ça. Ils connaissent rien, ces jeunes-là. Ils connaissent pas la misère. Puis ta femme aussi est entrepreneur. Ouais, entrepreneuse. Oui, entrepreneuse. Elle appartient à un Molly Maid. Fait qu'elle fait... Ben, elle a fait pas le ménage. Non, elle a des employés qui font le ménage des maisons. C'est ça. Elle a rendu avec 25 employés. Wow! C'est assez busy. Cool. Elle a du monde dans le bureau, du support, puis tout. Puis elle et tout, c'est travailleuse autonome. Ça l'apporte beaucoup de flexibilité à une famille, avoir deux entrepreneurs. Oui. Mais ma question, c'est... Quel désavantage que ça peut avoir deux entrepreneurs? Ben, un, t'as pas de fonds de pension. C'est certain. D'établi. Ouais. Deux, je trouve que c'est dur d'avoir des hypothèques ou des choses comme ça quand t'es les deux entrepreneurs parce que les banques sont comme, tu sais pas si la business va bien aller ou pas bien aller. Ça a bien été dans le passé, mais on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Tu le sais pas. On est dans le même bateau. Ouais, fait que là. Pas évident. C'est pas évident, c'est juste un petit peu moins facile. Ouais. Quand que si tu dis, ben moi je suis au gouvernement, puis ma femme est au gouvernement, puis on a tel job, puis si, ben la banque. C'est pas mieux, il y en a qui sont fait couper, puis tout. Là. Oui, c'est vrai. Mais tu peux perdre ta job, safe. Mais. C'est plus safe. C'est, en tout cas. C'est, je dirais, pas une crème dans le cou, faudrait que je te regarde un peu, meurtre. Pas une torticolis. Mais non, mais à part de ça, moi je vois pas trop d'inconvénients. C'est cher de voir aller. Moi, j'admets ça. Moi, des appels, si quelqu'un m'appelle le soir, non, je vois, il répond, il parle. C'est mes clients, moi. Je les vois pas comme une comme qui me dérange. Ben non, absolument c'est pas. Ça. Puis je suis tellement chanceux, j'ai tellement eu des bons clients, je peux te dire, là, c'est rare que j'ai un client que j'aime pas. Du monde, surtout, je trouve du monde francophone d'Orléans, là, c'est du bon monde en criminel. Ah ben oui. En criminel. Christ. Mais ça l'aide que tu fais de la maudite belle ouvrage. Ouais. Puis on est intentionné, on essaie de pas faire trop de poussière, des affaires de même, tu sais, ça va loin parce que le client voit, oh,
il se ramasse, il fait attention, il est à l'heure. Il est pas arrivé en jean tout déchiré du Chris. Des petites affaires de même. L'apparence en business, c'est, ben oui. C'est important. Je suis allé faire un tour sur ton site web hier, faire un peu de recherche. Puis je disais under construction encore, ben après 15 ans. Sur ce que j'aime, ce que je trouve cute puis bien en même temps, c'est que ton testimonial page ou ton project page, c'est juste le nom, le premier nom de la personne. Ouais. Comme Steve, puis là, c'est les belles escaliers que Jazz c'est puis la Matt, job si de Steve. Puis ouais. c'est vraiment nice. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est un art, man, bâtir des escaliers, sérieux. Là, ça sonne banal, c'est mais c'est quelque chose. C'est sûr. Ça dépend. Comme, c'est un art pour certains projets. Pour d'autres, c'est juste de mettre... Mais ça, tu nous as montré tout à l'heure. C'est vraiment cool. Oui, oui. Comme ceux-là, je vais les mettre sur Facebook quelque temps. Là, on tombe en vacances vendredi. Nous autres, dernière journée vendredi. Puis là, après ça, c'est les vacances. Fait que là, je vais mettre des choses sur Facebook. Le nom de ta compagnie? C'est Quality Stairs. Quality Stairs. Puis on fait pas mal des quality stairs. Oh, j'espère. Ben, j'envoie des jobs à marde. Des social stairs. Si vous voulez une belle paire de marches là, qui craque là, chaque fois que chaque tu montes et tu descends, appelle-moi pas. Appelle-les pas. Appelle-les pas. Ouais, fait que c'est non. Ça. Fier de toi, ouais, mon Jazz. Beau petit projet, c'est cool. Friggin' right. Puis, ouais, c'est ça. C'est l'approche pas mal. Comme le monde dit, des fois, il dit t'as-tu bien des gros projets, des gros contracteurs, pis tout ça. Ça me tente pas d'avoir des gros contracteurs, de être rouler en busy, fou 40 000 employés. Tu vois hein, comment c'était à l'autre place, où ce qu'on travaillait. Pas évident. C'est dur de trouver des bons employés et tout. Là. D'après moi, pour moi, je pense pas que je serais heureux de faire ça. Puis moi, c'est de la raison que j'ai lâché l'université puis aller faire des escaliers, c'est à cause que je voulais être heureux. Je n'étais pas content à faire des mathématiques, ça me tapait ses nerfs. Je n'étais pas heureux, Chris, c'est pas compliqué. Que... Tu te souviens-tu un des épisodes où on a parlé de M. Dufresne? Ben oui. Moi, je l'ai jamais eu, lui. Non! Non. Moi, j'ai eu Giroux. T'es bon, lui, tout. M. Villeneuve. Oui. Puis Timbers. Ah, Monsieur oui. M. Timbers. Timbers! Kevin Timbers. J'avais trois profs de maths en 12e. Trois profs? J'avais trois différents cours. J'avais algèbre, calculus, puis statistique. Mais ça, j'en mangeais. Ça, c'est le fun parce que les profs. Ça, t'es mec de même. J'en mangeais. Mangeais pas grand chose. Pas de la nutrition dans la maths. Mangeais bien des pages de livres de maths. moi, je mangeais bien de la marde. Mangeais bien de la marde par mes profs. Ouais, tu sais, Chris, tu mangeais bien de la marde. Mais regarde, je suis rendu aujourd'hui. Des hormones, t'avais de travers, Ernest. Oh my God. Et lui, j'ai excellent. Moi, j'avais le don de pouvoir dire des jokes déplacés sans être déplacés. Tu sais, les profs riaient. Mais M. Desormeaux, lui, il était pas capable de me sentir. Hein? Il haïssait bien du monde, me dire, franchement, t'étais pas le seul. Parce qu'il était il piquait sous moi, là. Voulait être cuit. Il mettait le test à Cowboy qui avait failli sur le tableau. Sur le tableau. Puis là, tout le monde qui avait des cours après, il disait, regardez Damien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est bon, hein? Bien fait ça. Tu pourrais plus être un prof de même aujourd'hui. Non, mais je pense qu'il savait que Cowboy, c'est pas le genre de gars qui aurait aidé comme. Non. Suspendez-les. Je pense qu'il y avait du fun à piquer sur le monde qui savait que, tu sais, faisait quand même bien parmi ses chums. Ouais, c'est ça. Le gars n'était pas en train de se couper les poignettes. Les souviens-tu que la fois, on s'entend. C'est peut-être quelque chose que les profs, ils manquent aujourd'hui. Ouais. D'être capable de. Mais je suis certain qu'il y en a qui te parler. Oui, oui. Avec certains profs. Avec certains jeunes que tu le sais qu'ils vont bien le prendre. Un moment donné, excusez, avant j'oublie l'idée, là, mon histoire. Je pense que t'étais dans ma classe, Jazz, la classe avec des ormeaux. Ça cogne à la porte. La porte, elle ouvre. Il n'y a pas personne là, mais il y a une boîte en métal qui roule dans la classe. Non. Elle arrête. On regarde toute la boîte. What the fuck? C'est Mart qui sort de la boîte. Tu te souviens-tu? Oui, je me souviens de ça. Je te vois dans ta classe. Il était en beau ciboire, man. C'était drôle. À moins que c'est... Oui, c'était avec AJ. Oui, oui. Oh, il était pas impressed. Charles Lamarche m'avait mis dans une boîte. dans un lab de science, là, il y avait des petites boîtes. Puis tu pouvais les rouler. Il a mis le couvert là-dessus. Il m'avait apporté pour une ride dans le corridor. Les puis là, ça lâche de bouger. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Je sors. Dans la classe. La pire classe peut être dedans. Oups. Ah, c'était une bonne école, Plantagenet. Ben. Ah, ben oui. C'est James. La seule affaire, c'était loin de tout. Tu peux pas marcher aller nulle part. Tu peux aller manger une bonne petite poutine ou patati patata. Ouais, mais fallait que tu marches à 17, c'est pas super safe. Là, ouais, sérieux. Sérieux. Comme pas super. Tu peux faire comme nous autres, on allait prendre nos lunchs en dessous du pont à Plantagenet. Ouais. Peut-être parmi les autres. Non, ça, c'était weird. Good times. On faisait ça avant, mais à repenser, là, c'est bizarre, ça. Ben, ça, c'est. Ouais. Écoute.
quand on avait des chances, c'était plus le fun. Ouais, mais quand je suis entré en 9e, là, moi, ça m'intéressait pas d'aller manger à la cafétéria parce que je connaissais pas personne. T'es gêné. T'es gêné. J'ai fait du chemin là, pour être moins gêné. T'étais là. Gêné, toi, des fois. En 9e année, là. Maudit. C'était inconfortable. Oui, je voulais même pas être à côté de toi. Ben oui, mais tu sais, là. Ton aura de stress me tapait ses nerfs. Fait que là, il est arrivé en 9e, moi, j'étais en 10e. Puis là, il venait me voir. Ouais, Mart, on va-tu dîner en dessous du pont? Ben oui, Chris, ça va être le fun. Let's go. C'est pas le même, ça a commencé, là. J'ai dit, on va-tu dîner ailleurs? Bon, j'ai un spot, moi, je connais un spot. Fait qu'on est allé là. T'avais déjà été, là. Ça a pas juste été comme, oh, on va aller manger en dessous du pont. Ça semble une bonne idée. Ben oui, toi. En dessous du pont, avec les bombes. Ben, c'était nous autres, les bombes. C'est ça, nous autres. Les sans-abri, en dessous du pont. Je pense que j'étais le seul à l'école. Peut-être mon frère était parmi un des autres, là. Charon, qui portait, qui portait le linge wigger. Tu sais, le gilet jusqu'au genou. Cowboy, il y en avait. Oh, oui. Son sweatshirt bleu bébé, là. Est-ce qu'il portait souvent? Echo ou. Une marque, Exhaust ou Asphalt ou je sais pas trop c'était quoi. C'était comme. C'était pas la bonne marque, c'était juste celle en dessous. C'était un bonhomme qui lui faisait quelque chose. Oui. Oui, oui. Oh my. J'aimerais ça, là, un moment donné, il va avoir un time machine, puis il m'a retourné la tête. Il m'a me fourré une volée. Ouais, t'avais du fou. Nous autres, c'était du gap, puis des affaires de main, tout, non? Un petit peu plus prep. Ouais. Ben, ouais. Plus prep, un petit peu. Ouais, disons. Ouais, ouais, lui c'était le campus crew guy. T'avais la plante avec son club Monaco. Oh oui. Moi, j'arrive avec du fat farm, du fubu, comme Tiki Twit. Oh, de où? Chris. C'est un gars de Rocklin. C'est parce que pis... tu penses tout bien cool, mais on n'est pas à Louis Riel, site là. Puis Christian, il portait toujours une petite camisole. Ah, je portais des camisoles en dessous de mes t-shirts. Une camisole de grand-père dans le oui. J'en ai encore, on ne les porte plus. C'est quoi la joke avec ça? Hein? Je sais pas. Moi, je n'étais pas capable de porter juste un T-shirt et porter une camisole en dessous. Ça, c'est à Chris, il touche, tu vois son linge. Ah oui! On a trouvé des vieux vidéos qu'on a fait Yo, développer. C'est fou. Puis c'est. C'est pas niaise, chef. Ah oui. Hey, get no respect around here, no respect at all. Mais ça va du pont. High school, là, c'est pénible en esti, man. Moi, je suis rentré, j'avais la face pleine de boutons, je suais, la face tout graisse, tout graissou. Ah, man, c'était pas des. C'était des bonnes années, mais c'est dur d'être un teen. Chris, il essayait de rembourser des filles, là. Il se couchait, il faisait assemblant des dessous dans le couloir. Puis là, il espérait que la fille se le ramasse. Non, fille, elle juste. Puis les bébés s'y lui, ben, un party en 9e, moi, 10e. Tu m'as clôt le Wood. Non. Pathetic. Fait que genre, tu faisais assembler avec comme il était pensé à... Ben oui, Chris, il essayait vraiment. Ça arrivait une fois, puis ils m'ont pas lâché de ça jusqu'à ce jour. Correct, c'est drôle. C'était un bon move. C'était un bon move. Ça moi, pourrait je marcher. Ça j'ai dit, calique, Charon. Ça va marcher. Ça va marcher. La fille a fait juste marcher fort là-dessus. Ben, écoute, c'était sûrement parmi les premières fois qu'on se saoulait. Oui, parce que, hey, Parcher, mon chum Parcher. Parcher. Gros bon yob, il m'avait pogné de la bière parce que dans le salon, on ne pouvait pas pogner de la bière. Ah, moi, il me pognait des smokes et de la bière. Christy de Black Ice. Ta Black Chaud. Ice, oui. C'est ça la première. C'était pas mon premier party, c'est mais fort, c'est ça que je vivais, de la Black c'était, Ice. Honnêtement, c'était probablement le deuxième party. Le premier, c'était chez Ben Simard. Puis je pense que ça, c'était le deuxième chez Marie-Claude. Ah. Elle avait son petit frère de comme 13 ans. Ouais, il était là, ouais. Pas 13 ans, il était quand même comme 10 ans. Non, il était jeune. Ouais, ça, c'était des beaux petits parties. Mais le même party. Oh. Bon. La pomme qui rentre. Avec ses sacs encore. Elle pouvait pas se contenter des visites numéro 11. Elle voulait apparaître sur le 12 et tout. Faites comme si j'étais pas là. Ben, c'est un petit peu dur, là. Oui. Restez pas longtemps. Je me sens que j'ai entendu un petit rot poli en rentrant. Moi, j'ai fait exprès pour bouger le podcast. Je vous le dis. Pourquoi que pas Marie, mais tabassière. C'est arrivé vendredi, c'est chez eux, after all, si vous autres l'avez dit. Mais non, puis le même party, hein, il y a une fille saoule, obviously, bien raide. Elle s'en va dans la chambre de bain. Puis on veut faire certain qu'elle est correcte parce qu'elle était pas mal chaude. Puis Marthe, t'étais là, toi et tout. Ouais. Fait que là, on vient à bout de rentrer dans la chambre de bain, puis
était après essayer de sortir, sortir de la fenêtre, oui, de cave, mais... Elle était wedgée là. Fait que là, je pense, moi pis toi, Jess, oui, on essayait de la pousser, pis là, tu crées, ça pèse une tonne. Là, Mark, il dit, ta minute, il sauve dehors, il arrive en avant de la fenêtre. Ah non, c'est comment t'as dit ça? T'es dans la chambre de bain. Dans la chambre de bain, il dit, save the whales! Pis là, il court dehors. But let them behave! Là, il arrive dans la fenêtre, but let them behave! Moi pis Jess, on pousse son kick à ça. Fuck! Fuck! Oh, wow. Oh mon Dieu! Save the whales! Tu sais, quand Chris parlait au secondaire, quand elle disait des choses déplacées, là. Ça, ça en est une. Qu'on disait des choses déplacées? Non, que tu disais des choses déplacées, ouais, t'en dis encore. En v'là une. En v'là une. Martin, il est aussi rouge que sa chemise, là. Ça fait longtemps. Ouais. Ah, ben, on a tout vieilli. Ah, oh, mon Dieu, qu'on en a fait des affaires niaiseuses. Hey, l'autre jour, je vous entendais parler que c'était Ali dans l'océan, tout nu. Oui. T'as jamais vécu jusqu'à temps que t'es allé dans l'océan. Je t'ai dit quelque chose. Cours sur un terrain de golf la nuit à pleine lune tout nu. Comment puis pourquoi t'as fait ça? Puis où? Au terrain de golf Nation. Tu me demandes ma route. T'as moins cowboy puis l'ortie. Pour quelque raison, t'as rendu tout nu dans le char. Puis là, on a juste parké sur quoi? On a commencé à courir sur le nerf. Oh, wow. Puis on disait pas un mot. T'es plein de surprises. Les gars de campagne, quand on n'a rien à faire, là. Tu mets flambette pour on court d'un terrain. On était sur la mine de Alfred. Ouais. Puis là, on revenait d'une game de hockey. Les gars étaient chauds en arrière. Moi, je suis juste tôt down for whatever. Là, les gars commencent à se nier d'avant. Ils montent leur rime, whatever. Tu sais, dans le temps, le truc. Les soirs de joueurs de hockey. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, les deux étaient tenus. Ben là, je dis, Chris, moi, je ne driverais pas puis pas être tenu. Fait que là, je suis carrément du tenu. Là, on arrive, on rentre dans Alfred, puis. On croise un gars, puis il nous fait le doigt. Tu sais, un jeune moté, un peu, là. Oh, ils n'avaient pas couru. Là, après. On a dit, ben, t'as pas. On tourne d'abord. Vous étiez flambette. On était flambette. On était dans le vent dans mon père. On arrive à côté du gars. Il vient proche du char. On ouvre les lumières dans le char. Ouvre la porte de sliding door de la van. Le gars, il vient proche. Il est comme, what the fuck, man? Le petit cowboy commence à courir après sa main, Alfred, tout nu des deux. Fait qu'ils sont en running en bas, tout nu, en train de courir après un jeune moté. Tu jouais sa chanson Blink 182, What's My Age Again? Ouais, ouais. Fait que c'est ce soir-là, on avait. On retournait à Saint-Pascal, on était allé sur le terrain de golf, puis courir, là. T'as demandé à Cowboy, t'as demandé à l'ortie. Pas un mot. On disait pas un mot. On faisait juste. On souriait dans la face, on sprintait le plus vite que tu pouvais. La face prenait partout, puis c'était the greatest thing in the world à faire tout nu. Fait que dis-tu. Mais le gars, il est allé où après? Le gars, ben, il s'est sauvé. Le gars, sur le terrain? Sur le terrain. Ben non, on n'a pas couru d'Alfred jusqu'au terrain de notre nation, Christophe. OK, c'est deux histoires. Ben oui, ben, c'est la même soirée, mais là, on est venu dans le char. Là, on est allé à Plantagenet. On a fait des niaiseries à Plantagenet. Là, on a volé une pancarte. Là. On est allé dans la nation. Là, on a couru sur une nation. Après ça, on est rendu dans le champ. Tout en flambette. Tout en flambette. Tu te fais pour over, là. Ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse. Je m'excuse. Mais, oui, I guess t'as pas le droit de driver tout nu. Je pense que oui, t'as le droit. Je sais pas. Je sais pas, mais j'étais pas à boisson. Indecent exposure. J'étais pas chaud, mais. Encore, je pense que t'aurais un ticket juste pour être chaud, genre. Juste être tête. T'as pas bu tes flambettes en char. Je connais un ticket. Tu perds tous tes points. Side word. Back up, back up. Nitch a guess ça, back up. Les boys, tu créerais pas, j'ai vu. Oh, fuck. Les trois en arrière dans le cop car tenu. Tu le gars Mario, toi? Oh, fuck. Oh, putain. Le gars du jiu-jitsu, là! Ah, oh, ben, Christ! Mario! Ton cannabis! Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ton père, il avait une école de jiu-jitsu. Ouais, ouais, ouais. Il a eu ça à Bourgette pendant un bon bout. Mais je fais du jiu-jitsu, Martin! Du jiu-jitsu, Christian! Ouais, il était bon là-dedans. Il a été champion canadien 7 fois. Oui, 7 fois. Ouais. C'est ce qui me fait peur, ton père. Ouais, plus maintenant, là. Il bat pas personne. Là. C'est pas jamais été le genre de gars. Ça, c'est ça que j'admire, mon père, parce que, tu sais, qu'un vrai tough ou un vrai... Il n'a pas besoin d'être tough. Il cherche pas à mal. Non. C'est les gars insécures
qui vont aller chercher un arbre. Ouais. Ou aller partir de la bataille ici. Puis il serait fier de t'entendre parler en ce moment. Ah, mon père est mon idole. À part ton histoire des flambettes. Mais ça, il savait. Il savait déjà. C'est sa gamme. Oui, il craque. C'est ça, c'est un pied, c'est ça. C'est ça, il craque de ça. C'est plus que ça, là. Ouais. Les poches d'hockey dans la vanne, ça sent déjà la grosse marde. Puis là, les poches, c'est bien. Bien ouais. C'est bien que vous avez fait ça dans sa vanne qu'avec son Goldwing. Une chance de pas un poseur de laine, hein, ton père? Pourquoi? Ben, assis dans la vanne, flambette. Ça rapide. Les gros rash, les gosses. Ah ouais, let's go. Mon père fait des escaliers et tout. Il travaille pour moi. Pas une écharpe. Une écharpe. Une écharpe. Comment tu trouves ça, travailler avec la famille, ton père puis ton frère? Ben, je trouve ça. Moi, j'adore ça, premièrement. Je trouve ça bon que. On sait pas un partnership. Ouais. Pas que je serais pas capable de m'entendre, mais au bout de la ligne, c'est moi qui ai le dernier mot. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je demande leur opinion. C'était tout bout de chien. Tout le monde est impliqué. Autant mon père, qui a des années d'expérience, que mon frère, qui est un gars de rampe d'escalier. Lui, il a fait des rampes pendant tellement d'années qu'il est bien meilleur que moi qui l'était. Puis, il est devenu meilleur que moi à d'autres choses aussi que au début, c'est moi qui l'ai traîné. Mais là, il fait tellement souvent qu'il est quasiment rendu meilleur. Ou, tu sais, comme... ouais. Fait que je demande souvent leurs opinions, mais au bout de la ligne, si ça va mal, c'est moi qui paye. Fait que... C'est... Tu sais, fait que... Puis je pense qu'ils comprennent aussi, puis je pense pas que... Ça a jamais été comme, va faire ça, là, puis t'es beneath moi ou whatever. Ben non. Je dis jamais que mon frère travaille pour moi. Je dis toujours, mon frère travaille avec moi. Avec. Parce que c'est le même, je le vois. C'est important, ça. C'est le même, je le vois. Puis c'est pour ça que j'essaie d'avoir comme du monde que je m'entoure dans ma compagnie, du monde de la famille ou du monde que je serais proche avec ou quelque chose comme ça. Je leur fais confiance à 100%. Mais c'est important d'avoir un leader, comme tu as dit. Quelqu'un qui prend le last call. Ben oui, parce que si tout est toujours porté au vote, ben ça finit plus. Comme le traîneau, il avance pas. C'est ça. C'est comme on s'en va dans quelle direction. Puis là, les décisions se prennent toujours comme un 2 contre 3, mais c'est toujours les deux mêmes contre l'autre. L'autre se sent comme vous êtes trop contre moi. Hein, pis, c'est ça. Ou, tu sais. Je sais pas, tu pourrais demander à du monde qui ont des... Ben moi, j'ai eu un partnership 50-50. Avec qui? Avec Scott. Oh oui, Baba. Ouais. Puis écoute, des bons chums, on s'entend bien. Mais comme au bout de la ligne, quand tu as un partnership 50-50, tu peux être en accord sur la majorité des choses, mais mets ça sur 5 ans ou 6 ans. Si vous êtes séparés d'un degré, vous êtes rendus super loin un de l'autre. Là. Ben oui. T'sais, vous n'avez plus la même vision pantoute. C'est ça. Fait que je pense que des partnerships, c'est correct, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui est comme c'était comme le leader de l'entreprise. Ouais. Fait plein de sens. Mais je trouve ça, je trouve, surtout quand tu as une partnership de deux personnes, c'est vraiment juste deux personnes. Quand tu as un partnership, un groupe, tu as comme 10, 12, 13 personnes, c'est un groupe d'investors, whatever. Là, il y a un vote, puis. C'est plus facile de déterminer des choses parce que c'est un gros vote. Là, c'est juste tout puis contre lui. Puis là, une personne, il est bien pogné sur un point, l'autre, il est bien pogné sur l'autre point, mais il n'y a rien qui change. Il y a quelqu'un qui give, puis là, c'est trop le même. Puis, en tout cas, ça doit être difficile d'avoir des partnerships. Puis là, tu mets de la famille là-dedans, c'est une autre affaire. On a même entente, nous autres, je veux dire. On est. Ouais, vous autres, on est partner, mais c'est sous-entendu que c'est Mart qui est. Qui est leader, je veux dire, écoute, quand le gars a autant d'expérience que lui, qu'est-ce que tu veux que je peux pas aller par-dessus ce qu'il dit, c'est lui qui a l'expérience. Ouais. Puis votre partnership, vous autres, c'est-tu 50-50? Comment ça marche, votre... Tiens, c'est pas, là, c'est moi qui vous interview. Okay, c'est quoi votre affaire? J'en avais des questions parce que je vous parle pas souvent. Ça donne, on est busy, vous êtes là, tu vas contre ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, tu veux catcher up, là? Fait qu'on run nos business individuels. Okay. Mais on pool nos ressources ensemble pour engager comme une administrative, pour acheter des pancartes, pour acheter de l'advertisement, ces affaires-là. Fait que Chris, s'il fait une vente, là, t'as pas une scène comme j'ai pas une scène là-dessus, la même chose de mon côté. Mm-hmm. Mais tu sais, quand on prend une inscription, puis on met la maison à vendre, ben l'ouvrage est tout le temps la même. Okay. Prends les mesures, envoie le photographe, pose ça sur MLS, pose ça sur les 50 différents mêmes sites web. Ouais. Bien, ça, c'est notre administrative qui va faire ça. N'avez-vous pas une? Oui. Commence en janvier. Fait qu'on... vous parliez de ça. Ouais. Fait qu'on est bien excités. On va pas annoncer c'est qui encore. Mais ça, cet ouvrage-là, c'est l'ouvrage de bureau. Puis pourquoi pas splitter? Ben oui. Je veux dire. Ben oui. Parce que c'est pas tout à fait assez pour une personne. C'est ça. Fait que. Puis moi, c'est le fun de savoir que tu as quelqu'un là qui peut t'aider. Là. Ouais.
Puis maudit que c'est le fun de célébrer des victoires ensemble. En team, oui. En team. Être complètement seul là, dans le néant. Avoir quelqu'un pour les faillites aussi. Je veux dire, ça a été un mois dur. Là. Ouais, mais des fois, c'est ben ça. Des up and down. Oui, c'est comme ta business. Ça arrive aussi. Ça peut pas toujours bien aller. Je l'ai pas touché le genou. Mais quand tu gagnes un contrat, peut-être qui était difficile ou un bid était comme pas facile, ben là, tu peux appeler ton frère ou ton père. On l'a eu, right? Ouais. Puis c'est la même chose avec Chris. C'est comme, tu sais, on se supporte. Puis quand ça va mal, ben, on se supporte aussi. Ouais. Il m'appelle le matin. Pourquoi tu te disais un matin, c'était drôle? Welcome to the big show! Je suis comme, bon, qu'est-ce qui se passe? On a-tu une victoire finalement? Parce que, on a closé! On travaille souvent en campagne. Puis en campagne, quand tu viens de maison en campagne, il y a tellement de choses qui peuvent aller wrong qui fait que la deal va pas se passer. Ouais. Que même si tu écris un contrat, c'est comme, c'est it's not over till the fat lady sings. C'est vrai. Jusqu'à temps que c'est signé, craché, juré. C'est ça. Des champs sceptiques, des puits. Ouais. Des inspections, le financement, le site. Ouais. Entre nous deux, dans le dernier mois, on a eu deux listings, ça n'a pas fonctionné. Ouais, quatre ventes de mon côté, que ça n'a juste pas arrivé pour des champs sceptiques, des affaires comme ça. Mm-hmm. So, tu sais, tu peux pas t'attendre à une réussite à 100% jusqu'à temps que ce soit fait. Tandis que quand tu es un agent de meubles, tu travailles en ville, tu as une inspection, tu as le financement, c'est facile. C'est fini, ouais, oui, puis les banques qui préfèrent financer. Oui. Ouais. Mais à matin, c'était une belle grosse victoire. Good job. Ben, une victoire. Quelque chose qui se célèbre. Oui, c'est ça. Quelque chose d'autre, tu veux savoir, là? Non, c'est tout. Non, ça fait longtemps que j'avais fini avec vous autres, mais vous avez continué là-dessus. J'ai demandé une petite question, vous avez continué, mes astuces. Là, on t'a flambette, là, pendant qu'on listait une maison. On est arrivé flambette au listing appointment. Fait qu'on l'a vendu. C'est ça, votre key. Vous l'avez vendu. Tout à l'heure, tu disais quelque chose d'intéressant. Tu sais, tu t'en venais sur le podcast, puis le monde te disait comme, pourquoi tu t'en vas faire ça? Qu'est-ce que ça va te donner? Ben, c'est la même réponse que nous autres on a, puis c'est les mêmes questions qu'on a aussi. Comme, pourquoi vous faites ça? Parce que c'est le fun. Ben, exactement, c'est ça que je vous disais. Alors, tu parlais de la classe. Oui, pourquoi tu vas faire ton cours de yoga? Pourquoi tu t'aimes ça aller regarder une vue? T'aimes ça. C'est ça. Moi, je viens ici. Pas beau vendre un escalier, là, Chris. C'est à cause du c'est le fun. Bon, un autre plug. Hey, là, tu t'en viens. Quatre plugs. Hey, mais quoi, on a des stairs? D'artier. Non, mais pour vrai, c'est pas pour ça que je suis venu, là. Non, je sais bien. Puis là, le monde me demande, mais pourquoi toi? Ben, pourquoi pas moi? C'est ça. J'en ai des affaires à dire, moi aussi, OK? C'est le fun d'avoir du monde, comme, tu sais, tu parlais de Joden, la Beden, ouais. Tu parlais de Ahmed puis Adil, comme, c'est des conversations, comme, intellectuelles, le fun. Mais c'est le fun aussi d'avoir une conversation entre bro, là, tu sais, une conversation comme... Les histoires de comme courir tenu sur le terrain. Ben, j'aime ça, moi. J'aime ça, OK? M'as-tu compris? Le monde se demande, des fois, ma femme ou n'importe qui me demande, qu'est-ce que vous dites quand vous êtes d'une chambre de hockey? Ou, comment ça vous avez duré 2 heures au bar? Qu'est-ce que vous parliez de? De tout et de rien. C'est de ça qu'on parle. Tu veux savoir c'est ça que c'est? Direct de même. Tu veux savoir de quoi que des filles ça parle ensemble? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. J'aimerais ça entendre ça. Moi, je pense. Les podcasts que j'écoute, c'est pas mal tous des hommes, mais ça serait intéressant de voir c'est quoi que. Moi, je pense de qu'est-ce que j'ai entendu quand que je rentre d'une place, whatever. Souvent, ils bitchent après leur mec. Ben, colique, oui. D'après moi, les filles sur Facebook, peut-être, vous pouvez me dire la différence. Ben, c'est pas vrai, whatever, de quoi vous parlez, mais moi, je pense que c'est ça. Ben oui. Ben, ça en prend une. Ça chiale contre une autre femme ou ça chiale contre leurs hommes? C'est ça. C'est pas que ça. Ils sont pas chialeux, c'est ça. J'aimerais penser que non. Je pense que t'es wrong. Je pense que oui. Si on chuchote, le monde l'entendra pas. Il est où le piton du fart là, que je suis dit cette chose-là? On mute ça tout de suite. En tout cas, l'intro. Pas pour être sexiste, oui. Non, mais je veux dire. Mais en tout cas, pour ça, c'est ça que c'est. Tu parles dans la chambre d'hockey, c'est ça que c'est. Tu parles au bar, c'est ça que c'est. Mais la manière que nous, on pense que les femmes parlent quand elles sont seules, la pomme, on l'a entendu souvent, nous autres. Viens donc ici 2 secondes, on a une question pour toi. Ah, vite fait, come on. De quoi vous parlez entre girls? Est-ce que vous chialez contre vos hommes? Non. Ben là, <t'es... rire> non! Le non le moins convaincant, c'est la terre. Tu as... Oui. Mais toi, Marc-Pierre, tu l'écoutes, la visite? Oui. Puis, est-ce que tu trouves ça intéressant, écouter des gars parler? Oui.
comme ça te donne ça un aperçu, c'est quoi les conversations que les gars y ont. Oui. Oui, hein? Oui. Puis tu vois que c'est pas rien d'extraordinaire, nos affaires, là. Est-ce que c'est différent de qu'est-ce que tu t'imaginais que les boys parlaient d'eux quand ils étaient tout seuls? Ben, c'est sûr que vous faites plus attention, là. Ouais, au podcast, on fait un petit peu plus. À part Chris, lui, il se laisse là. Moi, je m'en vais. Ben, sorry. Bye. Désolé. Bye. Oui. Bon. Un inside look à la vie de maison, ici. Bon, il est où, mon bec? Bye, la pomme. Bye. Merci pour les caresses et les becs. Attends. Mais, ouais, challenge à n'importe quelle fille qui écoute en ce moment qui veut faire la même affaire que nous autres. Version fille. Malaisie. Serait cool. Malaisie. Tu t'en vas-tu en Malaisie? Non. Malaisie. Non. Malaisie. Non. Pas demain. Pas demain. Mais je suis allé au Panama cet été. Oh. Avec les petits. Ah oui, ouais, cool. Les kids, la famille au complet, Bing and a Bang. Pas un resort. Pas. Un hôtel? Non. Airbnb. Chalet? Sur le bord de l'océan. Nice. Piscine creusée, mon homme. Une semaine. T'es dans un bois qu'on t'allait que c'est pas touriste. Ça, c'est peut-être nice. Que moi me le faire, le tatou, sa jambe de bord. Be part of my family. I will be part of your family. Christian, my family. Comment c'était? Off resort? Ah, c'était the best. Comme là, les petits, comme ils ont 5-6 ans, commencent à comprendre un peu plus. On est allé là, puis l'école, nous autres, c'est l'été. Puis eux autres, ils ont de l'école pendant l'été, notre été. Là, fait que anyway, fait que là, on est allé comme voir une école. Là, les jeunes sont dehors en train de pratiquer leur petite parade ou whatever. Là, ils ont vu, c'est quoi une école? Le scrim, c'est quoi ça? C'est une école, ça. Ben voyons, il n'y a rien dans l'école. Ben oui, il n'y a rien dans l'école. Vous êtes chanceux, Chris, là. Vous avez plein d'affaires. Là, il n'y a rien à l'école. C'était quoi le genre d'école? C'était-tu comme tous les élèves dans une classe? Il y avait des... Ben non, il y avait des classes. Des classes. Mais là, quand séparées. On l'a passé, ils étaient tous dehors dans le cours de récré. Ouais. Puis ils préparaient avec des tambours puis des affaires comme ça. Une grosse célébration qui s'en venait comme dans 2 semaines. Ils pratiquaient leur spectacle. Cool. Ouais, c'est vraiment cool. On a pris une vidéo de ça. On était dans notre char. On avait loué un char de David, là, de pas loin de Panama. Ouais. Puis on a conduit jusqu'à notre place. Puis on est allé faire du deep water fishing, puis tout le kit avec les cool. petits. Puis, oh my God, on a sorti des poissons. Là. Une affaire d'être 60 quelques livres. Sorti ça de Mai-mai? Non, c'était pas un mai-mai, c'était une autre sorte de poisson. J'oublie le nom, mais c'était gros. Un cormon. Sorti un cormon de l'océan. C'était un petit panamien. Là. Bon, on n'a pas le droit de les garder, fait qu'on les a remis dans l'eau. J'avais mon quota, petit panamien, fait que je pouvais pas le garder. Faut que tu gardes ça dans le live tank. Tabarnak. Qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Ouais, mais celui-là, c'était sur de l'eau. L'eau salée, c'est, il goûte bien meilleur. Il goûte bien meilleur. Conversation dérapée complètement. Dérapage. J'ai chaud, là. Tout trempe en dessous des bras. Ah, boy. Hey, man, chapeau pour toi, parce que c'est cool, ça. Mais c'est ça que je suis content qu'ils sont rendus à un âge qu'ils peuvent commencer à... Alors, on va souvent... Payer les billes. Ouais, c'est ça. Ils travaillent dans le shop, là, puis ils vont aider les mains, là. Mets du varnish. Là, là, t'es en retard de 5 ans dans tes billes, mon gars. Ratatoué, gars. Tu me dois 12 000 couches. T'es santé bon ça aujourd'hui, mon ami. Hey, mais tu... Dessus? Ouais. Couché. Weird. Mais quand on était jeune, là... Tu sais, mon enfant de 6 ans, quand il se coupe une main, super cool. Non, mais ça, c'est une part que j'ai, que s'ils rentrent dans le shop, puis tout d'un coup, ils payent s'assis, puis ils veulent, ah, moi, je vais aider papa, je vais faire des escaliers, puis je le vois pas, puis ils se couperaient. Est-ce qu'on doit aller dans le shop pendant que... Non, mais non, ça, c'est... des enfants, ça écoute. Oui, oui. On devrait mettre un système d'alarme là-dessus. Ouais, mais comme, tu sais, des fois, je sors de la shop, m'en va, whatever, je remets pas le bord par la porte, ou whatever, puis là... Je suis dans la maison, puis là, je retourne dans, je back and forth parce que ma shop est juste là. Ça me fait peur. Hein, je peux imaginer que cet âge-là, c'est l'âge la plus dangereuse. Oui. Parce que rendu 10 ans passés, ça, c'est pas une inquiétude. Là. Parce qu'ils sont physiquement capables de faire beaucoup de choses, ouais. Mais ils n'ont pas le filter là, qui dit non, ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Quel âge qu'il y a encore? 6 ans, puis 5 ans. Bon, moi, à cet âge-là, j'ai dit à mon frère, mets ton bras sur le barbecue. Non, c'est chaud. Non, je te dis, c'est pas chaud, je l'ai fait. Ben, mon frère l'a fait. Il s'est mis le bras sur le barbecue.
Ouais. Puis tu sais, je voulais pas mal faire. Moi, j'ai pas pensé au mal. Je voulais juste faire une joke. C'était-tu well done? Ou... Ça sentait l'agneau, là, comme dans la toilette, tout à l'heure. Là. Martin Clément avec son agneau. Désolé, les boys. Jeez, t'es en santé, Martin? La diète keto, ça produit des senteurs. Il sent un brebis. Tabasla. Youch. C'est le fun aujourd'hui, boys. Ouais, c'est. On se lance des couteaux. Oui, Marc, je pense qu'il est temps, tu commences à parler un peu. Ouais, hein, on te vole la parole. Je m'excuse, Martin. J'enjoy le show. C'est dur de parler à Marc parce que là, il faut que je me reveille le corps c'est complet. Oui, je suis bien placé. Jamais même. Chris est juste là avec son sourire. Son sourire d'agent d'immeuble. Épaté par. Comme mon frère, il dit avec mon toupette de crosseur. Ah oui. Oui. Mon frère dit j'ai un toupette de crosseur. C'est vrai, je comprends. Ouais. Coupe de cheveux de crosseur. C'est vrai. C'est gentil de me faire dire bon, ça. Bon, moi, c'est pas une coupe de cheveux de douchebag. Ça. C'est quoi une coupe de cheveux de douchebag? Ah, fauteuil. Ben, je m'excuse pour le monde qui écoute, qui ont ça, là, mais t'es peut-être pas douchebag, mais la coupe douchebag, fauteuil, la ligne de partition. Oh, minimum. Oh. Minimum. Tu l'as pas. Oui, là. Oui, il l'a. Ben, pas fort. Ah, non, ouais. Ouais, c'est pas. Non, ben, non. C'est clean cut. C'est clean cut. C'est pas douchebag, ça. Comme rasé là, à peau, puis là, t'as une ligne. Ben, pas à peau, parce que sinon, tu vois pas la ligne. Mais comme un fade-up, là, disons. Ouais. Puis là, la ligne, ça, c'est minimum. Puis il faut que tu sois gelé au fond. Pas juste. Vos cheveux, ils ont l'air comme des vrais cheveux. Juste. C'est fluffy. Fluffy, c'est ça. Je veux mettre ma main dedans. L'autre, le douchebag, tu ne mets pas ta main dedans. Non, déplace pas ça. Touche pas les touche cheveux. Pas. La coupe de cheveux que j'avais eue. Hey. Mart, un money, va zéro se... fade. Non, il va se faire couper les cheveux. Il avait l'air de... Dans l'armée? Il avait l'air... Ben, non. Ça avait l'air comme un muffin. Il avait l'air comme un muffin. Comme Dumb and Dumber? Oui. C'est comme rasé, puis là, boum, la coupe, elle commence, là. Il avait l'air... Je veux pas dire la coupe champignon, parce qu'on a toute une idée de ce que ça a l'air, ça. Ouais, c'est pas ça, mais... là, il avait l'air... Chris, il avait l'air d'une... Il avait l'air d'une graine. Il avait l'air d'une graine. T'as-tu été, t'es dit, can you make me into a penis? Puis là, ils ont fait ça. C'est-tu même, ça marche? Je sais pas, moi, là. Chris, il y a une bonne photo de ça. Non, il a juste montré une photo d'un pénis. Il a dit, can you make this? Moi, je pense, trouver je pense que j'avais une photo de David Beckham. Ah, puis ça, c'est... T'avais pas... Sens-tu comme Keten quand tu montes une photo? Oui! Ben oui! Là, oui. Je montre ça. Oh, I've never done that before. Hey! Je comprends aussi qu'elle s'en allait. Tu ne l'as pas fait non plus. Elle ne l'a pas fait encore. Moi, c'était super gentil. Carol. Elle était friggin' nice. Faisait comme 5 fois que j'allais avoir. J'aimais super ma coupe de cheveux. J'ai montré ça. J'ai demandé d'attenter un... quelque chose. Tu as tourné la voix? Non. Non, c'est ça. Je l'ai croisé. Deux jours plus tard, avec une casquette sur la tête. Une chance. Mais, oh, you're wearing a hat today. Uh-huh. Mais tout, see you around? Nope. Never again. Oh, I'm letting it grow. Yeah. Letting it grow. Mais j'avais été, moi, tout, avec mon coiffeur. Moi, j'avais un coiffeur. Moi, je me dis, je veux que mes cheveux soient de best. Là, je dis, qui d'autre qu'un gars gay pour faire tes cheveux? Absolument. Chris, oui. Le gars, il aime des gars, puis c'est un gars, fait qu'il peut pas faire rien... Il m'a toujours fait des super belles coupes de cheveux. Mais je vois le voir et je faisais pousser mes cheveux. Je voulais avoir l'air de comme Brad Pitt dans Fury. Ah, ben t'sais, oui. Là, c'est comme rasé puis là, ça slick back. Ouais. Tu l'avais, ça, cette coupe de cheveux de slick and back. Ben, je l'ai essayé, mais ça ne m'allait pas très bien. Je n'étais pas Brad Pitt. T'sais, quand tu n'as pas à faire ce qu'il y a avec les cheveux. Notre moi, chum, Nick, il l'avait, lui. Nick, il l'avait, lui. Il l'avait rocké pendant un bout. Ouais, il l'a dit, il avait la tête pour lui. Moi, j'ai pas la tête. Ma tête est trop comme un coco. Lui, il est plus comme un beau grand slim Jack. Je savais de la trouver à photo, pour le geste. Mon petit Lorty. Si tu reçois une mauvaise haircut de ton hairdresser, est-ce que c'est given que tu y retournes pas? Oh mon Dieu! OK, on passe. Faut mettre ça sur Facebook. Oh mon Dieu! Aïe, c'est parce que le monde ne la voit pas. Le monde. Tu comprends-tu un muffin? C'est un muffin top. Mais comment je t'explique ça? C'est comme. Je veux que tu me rases la tête. Je veux que tu me rases la tête. Mais laisse-moi ça assis sur le top pour avoir l'air niaiseux. Une petite touffe sur le top. Puis
Puis là, là, il retourne pour se faire faire une nouvelle coiffe pour Il y a des larmes! Tu sais, quand je t'arrive au bureau avec cette coupe de cheveux-là, tout le monde, les gros yeux. Nice haircut, Marty! So nice! Là, ça, c'est le monde dans l'entrée, whatever, puis là, oh, ouais, tu Là, je rentre dans mon bureau, mes deux admins sont comme, oh, nice haircut, Marty! Là, JF puis Chris, ils Non, mais comme, tu fais quoi? Tu peux pas te peigner? Oublie ça, tu te rases la tête au complet. Oh, ils se vendent des casquettes, ouais. Pour l'impérat, puis ils rasent ça au fond. On retourne si t'es fait couper les cheveux, ramasse le toc à terre, puis colle tout ça sur la tête. Wow! Non, je suis content que je l'ai trouvé, Zo. Hey, moi, tout. Ouais. Regarde ça. Inquiète pas, je regarde. Il est chaud, moi. Il fait chaud. Bon, du dos, tu trembles. Vous autres, oui. Vous pouvez pas, hein? Ben, moi, j'ai quasiment fini. Là. Moi, tout, c'est j'ai quasiment fini. Ben oui, tout, hein, quasiment, est quasiment plein. Quasiment fini d'avoir commencé. Oui. All right, here quasiment go. Fini ma première gorgée, là. Mais ça, il parle pas, il a encore la même gorgée dans le bouche. Je la déguste. Je la déguste. Oh boy, j'ai mal aux joues. Souvenez-vous de la burn table? Ben oui. Ah, oh, ça, c'était chez Laplante. Ah, oh, qu'on avait sorti des burns, là. Moi, j'étais pas là, mais j'ai entendu l'histoire. C'est pas là que sa mère est descendue dans la cave. Ouais, ça, c'était une autre affaire que Cowboy était tenu avec mon chum Méo. Shout out Méo. Puis, il l'ortie. Sur, imaginez-vous ça, sur une petite table d'enfant, fait que c'est comme 2 pieds d'affaire, même pas, dessus une petite chaise, en train de jouer aux 25 cents dans un comme tasse, là, pour boire, là, tout nu. Fait que là, la poche à l'air dans un salon de coiffure de maison à Bourgette. Pis, le salon était fermé, c'était la. Ben oui, c'est ça. Non, 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 les clientes rentraient. Ben bonjour, madame. Bonjour. C'est vous ici, mettez-vous confortable. Pis, c'est ça. Là, sa mère, elle descend, là, elle voit les autres, là, tout nu. Elle se tourne de bord par mon dans l'air. T'as jamais parlé de ça dans ça, regarde. Méchant scénario. Les trois, la regardent comme un chevreuil. Poum! Elle la regarde. Il se regarde. Ben, bonjour, les boys. Ramasser que vous avez fini. Ça, c'était la fois. Cowboy, il arrive plus tard dans le party. Nous autres, on est chaud, tout ça. Puis Cowboy, tu sais, dans le temps, était destructif. Ah, ben oui. Il cassait tout. Oui. Il rentre dans le stick de salon de coiffeur. Il y a des poupées. Tu sais, des fois, t'es jeune, ils attendent, il y a une poupée. Pogne la poupée. Il a crié sa tête, casse la tête, pogne des chips, garocha partout, tasse quelque chose, casse une chaise. Bam, bam, bam. Ça fait même pas 5 minutes d'arriver. Mais tu peux pas faire ça chez eux, par exemple. Non, chez eux. Ouais. J'en ai une bonne histoire de chez eux, par exemple. Tu sais, on a compté quand il est passé à travers du plafond. Ah, ouais. Ça, c'était de best. Une des premières fois, il... c'était quoi son nom? En tout cas, pas besoin de nommer de nom, mais ça faisait pas longtemps qu'il vivait avec cette blonde-là. Puis là, j'arrive, je suis comme, ah, cool, t'as un bed of fish. Tu sais, les petits poissons bed of fish que tu peux pas mettre ensemble parce que ça se mange. Là. Ah oui. Je sais, oui. Ben, je l'ai essayé. Mais je m'excuse, Pida. Bon, c'est pas vrai. Pida. Pida, oui. En tout cas. Peter Griffin? Oui, c'est ça. Peter. En tout cas, celui-là, je suis cool, il est nice son poisson. Puis là, on commence à boire dans la soirée. Je suis comme, ben, le poisson, il a faim, il spin en rond. Il m'a donné du manger. Mais du manger, j'en ai mis. Il y avait une croûte sur le top, là. C'était ça. Puis le poisson, là, c'est comme un chien, tu sais, voilà. Il ne va pas lâcher de manger. Ouais. Fait que le lendemain, le poisson flottait. Sur le dos. C'est so, bien, bien. Ben, qu'est-ce qui est drôle de l'histoire, c'est qu'il dit, ah, on a pogné ça, tu sais, ça représente notre amour, tu sais, on va. Faut que tu le fides, tu sais, t'en prennes soin. Je, ah, cool, OK. Ben, il a faim. So, le poisson, il est mort. Overdose de manger. Ça, c'est gluttony, ça s'appelle ça? Oui. Glutton? Gluttony? Gluttony? Les Seven Deadly Sins? Oui. Dans Seven, il parle de ça. Ouais. C'est monsieur qui mange, puis qui mange, puis qui mange. Ça, c'est gros, ça, c'est ce film-là. Hey, parlant de manger, moi, là, tu sais, moi, j'ai un chien, puis ça en vient plus ou moins vieux, il a 7-8 ans, puis il commence à avoir mal au ventre. T'avais de la chouette comme George. George. George Costanza. C'est-tu George? 7 ans, George. 7, ouais, 7 ou 8. J'aurais pensé qu'il aurait été plus vieux. Il a l'air, il est magané. Comme, oui. Non, il l'est pas. Il est super pépé, mais il a mal au ventre. Whatever. Et là, ça va venir le temps qu'un jour, tu vas falloir le put him down. Puis là, je dis toujours, moi, Chris, moi, là, je vais lui donner juste un paquet de chocolat. Non! D'où? À la place qu'il meurt? Ben, il va mourir ouais, du chocolat. Ouais, mais c'est. Ouais, mais il va être content, c'est du chocolat! Grosse crampe au ventre! Ouais, mais tu sais-tu pourquoi que ça les tue, le chocolat? Je sais pas. Ça revire leur estomac à l'envers. Ça fait prendre deux secondes. C'est qu'au lieu de pogner le cou, là, d'enlever l'estomac.
Hey, lui, la queue va se faire aller. Ah ouais, ah ouais. Bon. Écoute. c'est économique. C'est un pensez-y. C'est économique. Écoute, ben, là. Après l'Halloween, là, coûte pas cher le chocolat. C'est ça, il en donne. Puis c'est le pire, là. Tu sais, là. Les bonbons, la les chèvres. Enlève même pas le foil après, là. Mais vaut pas la peine. Je m'en vais aller plus vite. Si c'est douloureux. Probablement. Tu te revives l'estomac à l'envers, moi? Ben, en tout cas, je pense que c'est ça qui arrive, c'est parce que leur estomac, je connais pas. C'est pas une belle mort, c'est pas vrai, là, je vais faire ça. Envoyez pas l'espèce là chez nous, là, Galil. Comme toi, Marthe. C'est une joke. C'est une joke. Tout ce qu'il se dit ici n'est pas vrai. Oui, à la place de le faire endormir, là. L'hiver, il m'a laissé de voir, il ne donnera pas à manger. Ben oui, il m'a le poutine en piscine, t'as pas il va il aime ça nager. Il aime l'eau. Il aime ça courir après les chars, il m'a laissé aller. Il va le mettre dans le rédimier, il va le traîner. Oh non! Did we just go there? Oh my God! On est dans la merde. This is getting raw. Tu peux te faire couper ton podcast d'iTunes? Non, que mais je peux te faire couper à gauche, par exemple. Des activistes. Ouais. C'est comme. Ben, it's monde, them! Les Canada Goose, là, il y a bien du monde qui sont contre ça. Hein. Ben oui. Ouais. Tu vois ça? Hey, tu du monde? Tu des. Tu du monde? Ils font du cuir du monde. Hein? Tu entends ça? du bacon d'humain. D'assez. Oh, le fuck. Straight face. Là, c'est vrai. Mais non, on parlait de ça. Quand tu travailles en construction, tu as des sujets assez crus et weird. Je sais pas. Mon frère, il apporte ça comme sujet à un moment donné. Moi, là, me demande là, qu'est-ce que ça goûte du bacon d'humain. Bonne question, Bess, mais on ne saura jamais la réponse. On n'ira pas là. Wow. Mais c'est vrai. Wow. Non, mais c'est vrai. Pourquoi que. Mart. Wow. C'est une autre petite affaire qui me fait penser. À chaque fois que je dis Tigidou, je me fais penser à Nova, c'est quelqu'un qui se dit « All right, ben, c'est Tigidou. » C'est Tigidou. Son bonhomme, il est comme « Mais c'est quoi ça, Tigidou? » Ben, oui. Dis-le, ouais, parce que tu dis bien, oui. Mais Chris, c'est drôle. Ben, allez chercher la prochaine. Ça faisait une couple de semaines que je travaillais avec un couple qui arrivait justement du Congo. Baudouin puis Fabienne. Super bon couple. Ça, tu disais. Ça faisait une couple de semaines que je travaillais avec. T'as rien de signer un contrat pour acheter une maison, finalement. Puis là, il m'arrête après ma phrase, puis il dit « Matin, c'est quoi ça veut dire, ce mot « digidou »?» Welcome to Canada. Puis là, j'ai dit « Ben, ça veut dire tout est... Tiguin, ou? Tout est correct, là. » Puis là, la femme, Fabienne, elle commence à rire, puis elle dit « Babi, papi! » Il y a un autre mot. Là, Baudouin comme oui, vas-y, Fabienne. Elle dit okidoki. Je comprends le poki poki poki, mais pas le okidoki. sacrément. Ça, c'est du bon monde, hein? Oh my God, je m'ennuie des autres, là. Ça fait longtemps que je sais pas. Vu. Je suis allé au Congo avec cette couple-là, Jeff. On va pas commencer à parler du Congo encore. Ouais, non, je sais, j'ai entendu ça, mais je savais pas que... C'était avec cette couple-là. Get out. Ouais. Oh, ouais. Get out of here. Ouais. Là, ils t'ont-tu montré Gigolo Baba? Là, toi, t'as dit, mais c'est quoi ça, Gigolo Baba? Ben, c'est Tigidou, Martin. Tourne ça de bord. C'est ça, Tigidou, c'est voilà, Baba. Mais ils parlent différent là-bas. Ils parlent français, mais c'est très difficile à comprendre. Ouais, ouais, ouais. C'est un dialecte. Ouais. Assez... Parle mieux français que nous autres, là, par exemple. Ben, du monde parle mieux français. Nous autres, c'est tout croche. C'est ça que j'essaie de penser l'autre jour. C'est de trouver des bons mots français, des fois. On est tellement juste habitué de dire le mot en anglais. Des fois, nos petits, surtout avec mes enfants, tu veux leur dire le bon mot. Là, t'es comme. Tu parles plus. Papa et maman sont retardés parce qu'ils savent pas ce mot-là. Eh bien, bien. Marie-Pierre, elle va me corriger souvent. Oui. Ben, elle est québécoise, fait qu'elle. Elle est intelligente. Non, elle est pas. Elle est franco-ontarienne, ça a dit ça, c'est l'autre show. Ouais. Ben, elle est pas. Ben, elle parle. Ben, elle l'est pas. Elle est née à Hawkesbury, elle a grandi à Calumet, t'es le high school à Hawkesbury. Ouais, t'es all over the place. T'es all over. Ouais. Mais quand t'es proche de même la frontière, puis tu tiens pas mal en Ontario, I guess, t'es quasiment. Ben, c'est comme il y a beaucoup de monde anglophone, ils pensent que nous, on est québécois. Ouais, ben, tout partout, si tu vas, le monde, tout de suite, ben. Ce qui est normal, le monde au Cuba ne peut pas penser qu'on vient de l'Ontario parce que, ouais. Comme les autres, ils pensent français, c'est pas mal Québec. Là, en France, le monde, ils pensent qu'on est tout. Moi, c'est les Québécois qui ne savent pas qu'il y a du monde francophone. Eux autres devraient le savoir. Eux autres devraient le savoir. Ben oui, Cuba, en 2017, là, Facebook et tout. Sors de ta tête. Shut up, sors de ta Québec, là, c'est le seul pays au monde, là.
Puis Christophe, il y en a des francophones dans l'Ouest comme il y en a dans l'Est. À Hearst. Ben, partout, des maritimes. Beaumont, Alberta. Puis même. Parce que Simon, il demeure, là, il y a beaucoup de Français. Là. Ah oui? À cause qu'ils ont déménagé là-bas pour travailler ou c'était du monde original? C'est beaucoup de monde de l'Ontario puis du Québec qui ont déménagé là pendant que l'huile se faisait fureur. OK, fait que c'est récemment. Ben, parce que mon frère est né à Calgary. OK. Puis moi aussi. Je savais pas, toi aussi? Ben, on était supposé de rester là, mais je pense qu'il y avait eu un hike dans les interest rates. Là. OK. T'as rendu comme du 19 % en 85. Fait que mon père a décidé de s'en venir ici puis commencer ça. Sa business. Sa vie ici. Toi. Non, c'est vrai. Il faisait 6 semaines. Hein? 6 semaines, mais il travaillait pour les Piggott, qui était une autre firme qui travaillait pour l'huile, là, quelque chose comme ça. Fait okay. C'est pour ça qu'il était dans l'Ouest. Ah, bon. Ouais. Mais j'ai un oncle qui est resté à Edmonton, j'ai une tante qui est restée à Edmonton. Ils ont tous grandi à Alfred. Là. Wow. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de Français. On a passé proche de Ottawa, Martin. Oui. Ça a passé proche. Oui, c'est pas intéressant. C'est juste tout le monde vient d'ici. Puis d'ici. Moi, je suis né à Bourgette. C'est un bébé centenaire. Un bébé du centenaire. Moi, ouais. Sean, Agatha. Qu'est-ce que tu faisais à Bourgette? T'es resté à Bourgette, toi? Moi, oui, je suis né à Ottawa, là, mais ouais, ouais. Première résidence, c'était à Bourgette. C'est ça que moi, je me stinais l'autre jour avec ma femme. Le monde te demande d'où tu où t'es né. Ben, tu dis Bourgette, tu dis pas l'hôpital. Ben, moi, je dis Ottawa, parce que je suis vraiment né à Ottawa, là. Je sais pas pour toi, là. Tu es né chez vous, toi? Tu dis-tu l'hôpital où t'es né ou le village où t'es ouais, né? Mais j'avais un vieux compte. C'était StarCraft. Je voulais jouer à StarCraft cette semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas logué in. Puis ma secret question, c'est Where were you born? Ouais. Fait que j'avais écrit Bourgette, puis ça disait wrong answer. Ah. Mais c'est toi-même qui avais fait ça. Ouais, j'avais écrit Ottawa. T'avais oublié que t'avais fait ça. Fait que c'est vrai. Tu te réponds quoi? T'es né où? T'es né à Bourgette ou à Ottawa? Comme... Je sais pas. Ouais, mais ça, moi, c'est toujours Bourgette. C'est une question qui se répond comme ça. C'est plus je suis né à Ottawa, mais je suis élevé à Wendover. Ouais. À cause que t'étais à Ottawa pour. Ben, moi, j'ai été à Ottawa pour 2 jours, puis après ça, j'ai vécu à Bourgette le reste ouais. Comme un Christy Bourgette. J'ai quand même vécu à Ottawa une couple d'années ouais. Après que je suis né. Ça fait que ça c'est oui. Ottawa, Orléans, Gatineau. Hey, on parle-tu un peu de l'autre bière? Ah, ben oui, absolument. Tiens, Mart, toi, non, vous. Tiens, Mart, tu parles français. Ça... On peut parler, ben. Le Naughty Otter Lager. Naughty Otter Lager. Naughty Otter Lager. Faut dire la canette est pas Naughty mal Otter super. Lager. Ça vient de. Gananoque. Gananoque. Pas loin, ça. C'est pas ça. Loin d'ici. Ben ouais. Hashtag get naughty. Oh, mama! Naughty, naughty! Naughty, naughty, Mart! Oh, naughty, naughty, party! C'est ça qu'il dit dans la chanson de Sean Paul. Au gym, il y a une chanson de Sean Paul qui joue, puis naughty, naughty, party! Là, je pars à rire pendant faire des jumping jacks. Je me dis, t'as rire, Carlis! T'as pas entendu? Naughty, naughty, party! Puis là, à cette heure, ça joue à chaque fois. Sean Paul, j'aime assez ça. Sors mes gosses en ligne. Sors mes gosses en ligne. Sors mes gosses en ligne. I don't want a honeymoon on you. Il parle anglais, non. Ah, pas l'anglais, là. Ben, c'est du patois jamaïcain, j'imagine. Patois. Où sont mes gosses? Le patois. Elle est vraiment bonne, cette ouais, ben, on va cheerer celle-là aussi. Cheery. Cheer, cheers. Cheer, cheers. Cheery, on l'a. Les amis. Les amis à la visite. Oh, yeah, here we go. Oh, une belle extension de bras, ça, les boys. Go, go, gadget. Arm. On n'a pas parlé, on a parlé tantôt, là, quand on était off-air. Mais dans les podcasts, c'est le fun de parler à quelqu'un qui a écouté les podcasts. Ouais. On est rendu à une dizaine d'épisodes plus, épisode 12 aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que, c'est quel épisode que t'as préféré, puis pourquoi? Ben moi, celle que j'ai préférée. Je les ai toutes aimées, moi, dire franchement. Je pourrais, là, je suis rendu à 11. Ouais. Quand 12 va jouer, je l'écouterai pas, parce que c'est ma voix me tape. Mais je pourrais réécouter encore, parce que c'est drôle, parce que je vous connais bien. Puis c'est les bonnes jokes, tout ça. Mais celle que j'ai préférée, c'est celle avec Joe Den, parce que je ne connais pas Joe Den. Ouais. Fait que c'est un nouveau character, disons. Ouais. Puis genre de Jack, je me tiendrais avec. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a de l'air dans ta tête. Friendly Joe Den, s'il vous plaît. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a de l'air Joe Den dans ta tête. Ben, c'est ça qui est calique, parce que tu dis Joe Den, dites donc, c'est quoi son vrai nom? C'est Jonathan Denis. Parce que moi, je voulais Facebooker. C'est qui ça, ce gars-là? Ben, Joe Den sur Facebook, il pop pas Joe Den. Il n'y a pas un Joe avec un Den. Mais moi, je pense, à cause que vous disiez Joe Den le Beden, je dis, ben, peut-être un gars qui a un petit pote. Peut-être un petit pote. Comme nous autres, là. Peut-être trentaine, moins. La Beden. Il regarde ma Beden. Ben, c'est pas une trop grosse Beden. Ça, le nom, c'est plus la Beden.
Je le vois. Moins gros que la mienne. Entre moi et Chris. Ouais, pas si gros que ça. Attends. Non, il n'y a pas. Non. Y a pas c'est juste parce que ça rime, c'est pour ça qu'on l'appelle la même. Je sais, mais tu me dis que c'est moi, je pense, c'est ça, moi, je pense. Ouais. Je l'ai pas vu, j'ai même pas vu encore sur Facebook qu'est-ce qu'il y a là. Il y a une astuce de look, c'est un gars très mode. Style. Ouais, mais là, ouais. C'est ça, il parlait de mode, fait que là, je dis, OK, il est bien habillé, mais peut-être qu'il n'y a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux. Il y a un horseshoe sur la tête. Ouais? Non. Il pourrait. Non, il y a une astuce de coiffe. Hein, Joden avec son estifi de coiffe. En tout cas. Mais c'est une des épisodes que j'ai aimé, mais j'aime tous les épisodes. Puis c'est justement pour ça que je pense que vous m'avez peut-être invité. Je vous ai dit, hey, good job sur le podcast, guys. Ah, ben oui, vite, ben non. Là, vous êtes comme, hey, Chris, on va vous inviter. On avait fait une liste. Oh oui, on a fait une liste. Tu étais définitivement sur la. Ben, sur la pas liste. Dans le top 10. Wow. Non, merci. Numéro 1. Ah, ben oui. Non, mais je te l'ai dit, pourquoi qu'on t'a pas invité sur la visite numéro 1? Ça aurait été trop high. Ça aurait été trop downhill après ça. Fallait commencer en quelque part. Fait que, en parlant de la visite, puis les stats, puis tout ça, aujourd'hui, on va dépasser 500 écoutes. Total. Total. C'est ça, j'aimerais ouais. Ça sur iTunes. Ils disent la popularité. Ouais. Là, tu vas dessus, t'espères avoir combien de views? Mais il dit rien. Non, ben, c'est bon, rien. Lui, il a checké comme le back-end. Ouais, stats, parce que toi, t'es le créateur. Il y a du monde qui écoute. Écoute, on vous call out, là, mes hosties, là. Si t'es à Vancouver puis tu nous écoutes, là, on va mettre un lien, là. Avez-vous un Facebook page, enfin, la visite? Pas encore. Il y a du monde à Vancouver qui nous écoute. Dude, ça serait quelque chose. Parce que quand que je vous écoute, puis là, vous parlez, comme Joe Dan parlait de son affaire de wrestling. Puis là, le move. Mais ben là, Chris, j'ai essayé de checker c'est quoi. Pas été capable de trouver le move. C'est ça qui arrive. Hein? On mais parle là, des choses. Vous... Mais là, on pourrait poster la photo de ma coupe de cheveux lettres sur Facebook. Parce que par le temps que ouais. Tu le ouais. Chose, quand que le chose y pop, le monde peut être comme, ah oh, oui, j'avoue, la petite coupe de cheveux. Martin. De... Ouais, puis le monde pourrait nous chatter live. Non, là, ben, qui pas nécessairement là, live. Là. Ah, c'est rien, ça. Là, tu vas fuck à patate. Parce que live, ah, c'est mon Blizzard account affaire. Pour jouer à StarCraft. What a loser! Nerd! Dit le gars qui joue ici. Hey, non, ça, c'est une affaire. C'est une bonne idée, ça, Jess. Ben, c'est juste une idée de même, mais c'est juste... C'est comme fait. Moi, des fois, je suis dans mon char, là, par le temps, j'arrive, là, j'essaie de searcher ça, je retourne, qu'est-ce qu'il disait, c'est quoi le mot search, je suis pas capable de trouver le move. Tu l'as-tu trouvé le move de wrestling? Mais non. Wow. J'ai searché son nom sur YouTube, puis là, il y a comme 10 best moves, puis là, je sais pas c'est lequel, puis là, ben, j'ai arrêté quand j'ai une vie, là. The gear. Ouais. Ouais. Ça s'appelle the gear. Oui. Non, c'est clutch. La clutch. La clutch. Tu vois, je me rappelle de tout. C'est ça. Moi, j'ai réécoute le lendemain. Ouais. Puis tout le long, je l'écoute, je me tape ses nerfs, puis je suis comme, fuck, je sonne comme une graine. Ça sonne cacane. Ben, l'épisode passé, mon mic était à l'envers, puis je sonnais comme une canne. Ouais. Ou une graine. And you look like one, too. Moody voodoo. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Mais non, je suis très fier de vous autres, les boys, puis c'est une belle initiative. On aime ça, on a du fun. Comme, c'est cool que vous avez fait ça, puis je vous supporte à 100%. C'est weird, hein, penser. À cause de vous autres, j'ai pogné iTunes parce que j'ai pas iTunes. Écoutes-tu d'autres podcasts? Non. Vous autres, vous êtes le seul podcast que j'écoute. OK. Je regarde celle de Joe Rogan parce que je trouve ça drôle. Mais je regarde sur YouTube des petits clips. Parce que j'ai souvent pas comme un heure à dédier. The best of, ouais. Écoute, si t'en as un autre, là, shout out à Mike Ward qui vient de gagner un Olivier. Pour le podcast de l'année. Il est drôle. Ah oui, hein? Ben, moi, en anglais puis en français. Je le trouvais le meilleur des les Fantastiques. Avec. Les Fantastiques? Mike Ward? Ouais. Ouais, tu sais, sur les Fantastiques 104.1. Ah oui, le oui. Le retour oui. À la maison okay, oui, là, avec Eric Charmagrian-Salvay. Mais là, c'est moi! C'est moi! C'est moi, c'est peur! Il chauffe tout ça! Oh my god! C'est son pouce qui sortait. J'ai un gros pouce! Mais ouais, il a gagné. Mais ouais, mais lui, c'était le meilleur. Il a gagné un award pour son podcast. Celui qui fait en anglais, c'est drôle parce que c'est juste lui qui compte comme. Comme quoi qu'il aime ça boire. Ah oui. Puis il compte toutes sortes de bullshit. Là. C'est Mike Ward is full of crap, mais pour vrai, c'est Mike Ward is full of shit. Mais c'était pas politically correct, fait que c'est Mike Ward is full of crap. C'est ça puis, le nom de ton podcast? Il est tout seul, là. Puis il avait essayé de l'appeler Mike Ward is retarded, puis iTunes voulait pas le laisser uploader. Ah. Parce que le mot retarded, c'est ouais. Rendu quelque chose de pas bien aujourd'hui. Je pensais à cause qu'il avait peur de se faire souiller encore à cause de l'autre affaire. Bah, du ah, gêne, écoute, puis... bah, le monde s'est rendu un petit peu trop sensible. Bah. Oui, pas mal trop sensible. Au lieu de s'attaquer à lui qui avait des jokes qui n'étaient pas super.
C'est pas une meilleure joke. En tout cas, mais c'était pas c'est, drôle. C'est l'autre, le restant du monde qui embarque là-dedans et qui continue à ridiculiser le jeune. Comme, la joke est faite, on a ri, move on. Arrêtez de bâcher le jeune. Là. Oh oui. Comme quoi, que... Non, mais le petit Jérémy, je veux dire, il a joué à Rockfest cet été. Ouais. Si ça n'aurait pas ouais. été. Si ça aurait... Y a-t-il une vidéo de tout ça? Si ça n'aurait pas été du fiasco avec Mike Ward, il aurait probablement droppé off la map. Personne n'aurait entendu ça. Il a pas, y a-tu gagné vraiment tant que ça d'être ça? Comme, il était là à Rockfest. Puis là, quoi, c'est fini là. Là il y a des petites apparences, cette pis là. Mais il n'est pas ça. Rendu millionnaire avec ça. Là. Non, je suis certain. Je pense qu'il y a plus d'angoisse que d'autres choses. Là, il se fait reconnaître comme un, le petit Jimmy. Comme ça aurait été une joke, comme il a fait des jokes on stage, whatever. Ça, c'est drôle. Puis, tu sais, c'est fini. On continue avec d'autres jokes. Puis lui, continue. Il avait fini après. Mike Ward avait fini. Il avait fini. C'est ça. Mais c'est l'Internet qui ont commencé à embarquer dedans. La maudite Internet. L'Internet est méchante. Ah, Stick est méchante. Ah, elle est méchante. Tu trouves-tu que sur l'Internet ou en char, t'es pas la même personne? Ben que... non. Mais en char, c'est encore J'ai plus. Envoyé chez quelqu'un en char deux fois parce qu'il m'a coupé. Puis qu'est-ce que tu m'as dit que ça s'appelle, Marc? Je sais pas comment ça s'appelle. Y avait-tu un nom que j'avais-tu donné? Ben, t'avais pas appelé un nom weird, là. Mais. C'est parce que t'es pas responsable pour qu'est-ce que. T'es à cause que t'es derrière, t'es en arrière, que t'es chose, protégé. Ouais. T'es protégé, ouais. Mais t'es face, t'as avoué. Puis lui, voit. Mais t'es pas responsable. Mais tu vas au Subway, le gars te coupe, t'es juste comme. Oh, sorry, was I there? Dans ta tête, t'es comme mon astuce. Oui, mais tu le laisserais passer, puis tout le monde est galant en personne. Je pense que c'est parce que tu sais que dans 2,5 secondes, tu vas être à 200 mètres de lui. Ah, moi, je pointe du road rage. Tu le revois après. Tu fais comme gros. Là, tu continues. Là, il te rattrape. C'est un gars de même, toi, Jeff? Un road rage? Ouais. Très rarement. Pour vrai? Très rarement. Non, ouais. Mais quand je pick une... c'est plus quand c'est dangereux. Actually, une fois, je suis allé voir Dane Cook. OK. Ouais, ouais. C'est bon, Maurice. Puis maintenant, mais... ouais, off the map, mais Chris, il a fait des bons shows. On est allé voir Dane Cook. Sort du parking lot du Scotiabank, là, whatever. Que c'est, TD Place. Là. Non, c'est quoi? CTC. CTC. Puis, tu sais, comment ça sort autour du Christie Parking, ça finit pas. Fait que l'étiquette normale, c'est t'en laisses un, t'avances, l'autre laisse un. Puis tout le monde en laisse un passer, puis so on and so forth. Fait que je laisse un gars passer. Là, le petit Chris de crotté, il va, puis il avance. Mais là, moi, j'avance, je dis, Chris, il ira pas. Puis là, il est dans son char, puis il rit, puis il rit, puis il rit. Là, il continue à avancer, puis moi, je vais. Il a pas poigné le bon gars. Là, je dis, tabarnak, ma collègue, il va scratcher le char, puis seulement, même pas, c'est mon char, c'est le char à Véro, puis elle dit, non, Jazz, ça fait pas ça, puis j'ai mon frère en arrière avec moi. Je dis, mais tabarnak. Du coup, Jazz, vas-y. C'est comme deux jeunes, ils sont comme. Fait que là, on arrive, puis on se touche quasiment. Ah, Christy, je mets ça en parc. Sors du char dehors. Je vois le voile. Je dis, baisse ta vitre! Baisse ta vitre! Là, le petit gars, il riait plus, là. Là, il voulait plus baisser sa vitre. Là, son petit chum qui est là au bord du char, il sort du char, il dit, hey man, get back in your car! Mon frère sort son char, get back in your car! Là, le jeune, ok, il est resté là. Puis Max, c'est pas Max petit. Max avec ses grosses mains de banana hands, le gars, là. Véro, elle sort du char, elle jump sur les rues du char, get back in your car! Véro, Carlos, noël au gars, là-bas. Fait que ça, c'était mon plus gros road rage, mais c'est une bonne histoire de road rage. Oui, parce que dans le parking, tu t'en vas pas nulle part, mon petit tabarnak. Là. Oh, puis si tu me ris dans la face, là, déjà vu mon père, moi, perdre la tête dans un parking lot parce que le gars marchait avec une madame plus âgée, genre. Pas assez âgée pour marcher slow comme qu'il marchait, puis en plein milieu. Puis tu sais, t'es comme. T'es sur la rue, faut que tu tournes à droite pour entrer dans le parking du métro, mettons. Ouais. Puis le gars, il marche bien slow. Ça revient de bon, on nous regarde, continue à marcher comme. Autoué de là, parce que moi, de lutter. Fait que là, mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé, il a fourré fucking la pédale au fond, puis le gars traînait un sac de métro dans les mains. Il a frappé, sacs? Non, mais il a frappé son sac. Pow! Le sac, il revole. Autoué! Hey, j'étais jeune quand c'est arrivé, là. Ah ouais, il a accroché son sac par exprès. Autoué de là. Aïe, aïe. Là, attends, toutes les poignées sont rouges, je suis tombé. Écoute, là, ça fait quand même 25 ans plus que de ça. Ouais. Fais pas ça aujourd'hui. Le monde qui écoute, là, c'est pas une très bonne idée de faire ça. OK, les petits tatas. Les morons qui écoutent, là, faites pas ça. Oui, mais tassez-vous sur le bord. Longe les chars, puis marche aussi. Longe. Longe de bord.
L'ange de porc comme l'ouvre, qu'est-ce qu'ils sont, ton derrière? Non, mais. Une bonne joke à faire. Non, mais c'est le point. L'autre fois, un de mes chums, sa blonde était chez nous. T'as une gang de chums, puis tout ça, avec leur blonde, puis tout ça. Pis... Ce qu'on était, nous autres. Vous étiez là. Ah oui? Je suis pas mal certain. Regardez une game des scènes chez mon père à Orléans. OK. Puis là, oh, yes. Là, elle sneak out tranquillement, pas vite, puis elle monte les marches pour aller en haut au deuxième. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe au deuxième qui était tout seul? Un petit poupou. Fait que moi, j'étais chaud, puis tu sais, c'est le chum, c'est la blonde à mon chum, fait que tout d'un coup, je crie « Hey, t'en vas te chier! » Tu fais pas ça! Le party au complet, tourne vers elle. Puis je me dis « Ben, ben non, elle m'en va juste, elle m'en va, elle tombe de bain. Ah, c'est-tu qu'elle a pas du tout, ça va? Tu veux être un jerk move, là? Oh, fuck. Ça, c'est pas le party que, je pense, M. Clément, ici, t'avais amené un record player. Là. Oui, avec ACDC. Ouais, ça marchait juste. On a le record. Cadeau, Jess! Merci, Matin. Marche pas. Pognez ça au flea market, ça te Pourquoi je t'avais pogné ça? Ben non, gentil, il y avait une occasion. Tu voulais que j'achète quelque chose, certain. C'était pas pour ta fête qu'on était là? Je pense que oui. Je pense que c'était pour ma fête. C'est au mois de septembre. Ouais, ça fait du sens. Puis c'est là, j'ai chokeholdé Cowboy. J'ai pogné, en tout cas. On s'en allait dans les bars. Puis là, j'ai pogné Cowboy, ben, un headlock. Puis là, je le choke out. Puis je disais, tap out! Puis là, il faisait juste. Là, je le lâchais pas parce que moi, je voulais pas perdre. Fait que là, il continue de choke. Je dis, tap out, tabarnak, tap out! Là, il est là, je comprends pas ce que tu veux dire! Il comprend pas l'anglais! C'est pas, tu comprenais pas l'anglais! Les boutons, les veines, t'es en train d'y péter dans le front. Il reachait pour sa guitare! Commence à taper du pied! Il comprenait pas que ça voulait dire tap out, Steve. Il voulait juste qu'il me tape le bras. Étais-tu pas bon en anglais? Ah, c'était Hey, il a fait du chemin. Hey, moi, là, je le connaissais avant, là, quand on était jeune. On allait à des tournois de hockey. Là, et Simonac, il cruisait toujours les waitresses, mais les waitresses étaient toujours anglaises. Puis là, il disait, look, hey, look at the scar that I have there on my arm. I got down the tractor. Oui, son aigle. Ouais, son aigle. Oh, man. Faudrait faire un épisode avec toi puis lui. Ah, oh, sacrifice qu'on a eu des mésaventures. Non, on n'aurait pas grand chose à dire, non, mon gars. Set to record puis on va revenir. On va prendre bière au crap. On vient dans 4 heures. Ouais. C'est drôle. On vient dedans, ça se tient les bras puis ça broye. On a pris quand même pas deux chemins différents, mais comme on est. Moi, là, je suis rendu avec des enfants. Puis lui, il a une femme, une super bonne femme, puis tout, mais tu sais, pas d'enfants. Cool. Marie Noël, toi. Exactement. Un deuxième nom. Noël. 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 Wow. Ouais, non, mais pas, ça, boys. C'est mon chum by far. Ça, là, c'est la raison que je me suis gardé, commencé à me mettre en shape, c'est quand Cowboy est tombé à l'hôpital. Oui, il était comme. Il a passé proche de mourir, il en a parlé l'autre jour au podcast. Mais c'est pas parce qu'il était pas en shape. Non, mais il faisait pas attention à lui. Il faisait pas aussi attention à lui qu'il y aurait pu. Là, j'ai dit, Christy, à 30 ans, là, t'es pas invincible. Là. Non. Puis là, j'avais 29, puis j'ai dit, là, si tu te prends en main ou tu vas crever, toi, tout un jour. Là. J'ai fait la même affaire, man. Écoute. Quand t'es ça, aujourd'hui? Non, mais tu sais, je fais des jokes. Ouais, non, non. De tout, t'avais une secousse grassette. Oh, man. Ben, ouais. Écoute. Oui, absolument. J'ai pas rien à dire là-dessus. Mais quand j'avais 29 ans, j'ai dit, un de mes buts, c'était d'être dans la meilleure shape de ma vie par le temps que j'ai 30. Fait que j'ai commencé à 29, par le temps que j'avais 30 ans, ben ça faisait presque un an que j'allais au gym. Oui, ça fait 2 ans. Je bois 5-6 fois par semaine, ça paraît pas, mais je me sens bien. Tu battais à quel âge? Comme à 6 ans. T'étais la meilleure shape de ta vie avant. Là, tu t'es rendu à temps. Faut que je sois capable de faire les monkey bars all the way back and forth. Non, mais tu sais, comme. Je suis dans la meilleure shape de ma vie. Peut-être, ça paraît peut-être pas, mais je me sens de même. T'as pas besoin d'être l'athlète du Non, siècle. C'est ça. T'es pas Joe Froman ou whatever, le gars de. Joe de... qui? Non, c'est pas Joe. Froman. Non. Joe Froman? George Foreman. Pas besoin d'avoir dans les George Foreman Grill. Mes chums de CrossFit, là, shout out à Tovette, il va rire de moi, là, mais le gars de CrossFit, il est super bon. Là. Fuck, je sais pas. Tovette. Martin Tovette, le gars qui est super Tovette, bon. Tovette, t'en chèvres en esti. Ouais. Mais t'as pas besoin d'être de même, t'as juste besoin de.
Faire attention à ce que tu manges. Mais fais un peu d'exercice. Fais du bien à la tête, man. C'est un bon temps d'apporter le dry-nuary que moi puis Chris, on va faire. Oui. Ben, c'est pas dur, ça. Non. Bon temps d'apporter le fait que t'as une couette en ce moment, c'est la tête qui est pas mal sharp à regarder. Merci. J'essaie très, très fort. Ouais. Fait qu'au mois de janvier, nous autres, c'est dry-nuary. Mais là, tu fais-tu New Year's Day? Ouais. Le premier puis le deux, là, c'est éliminé, là, on s'entend. Ça fait pas partie du mois de janvier. Ah, moi, le premier puis le deux, je compte pas ça. Ben non, mais New Year's Eve, ça va être la dernière pétage de face. Ouais, puis là, New Year's Day, c'est avec ta famille, des fois. Genre comme mauvais, mais le lendemain, là, tu dis que c'est pas dur, mais t'es en famille, toi, t'sais. C'est différent. C'est facile, right? Pour moi. Moi, je rencontre un client, on se rencontre le soir à 6h, 7h. Ouais. Hey, Marc, veux-tu une bière? Ben, là, dans un cave, si je dis comme non. Ouais, mais le monde, il respecte ça aussi. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais c'est plate d'être autour de même. Autour de quelqu'un qui est de même, c'est plate. Si t'as pas de restrictions comme qu'on se met au mois de janvier, ben là, c'est plus facile de dire. Là, tu dis, ben, j'ai. Bon, OK, c'est juste une bière, tu sais. Puis là, bon, ben, là, j'appelle Chris. Hey, viens de finir ma rencontre avec tel, on va-tu prendre une bière au. Ça a bien été, whatever. Ouais. Tel, c'est un est bon Jack. Tel, tremblé. Vagine Clément. C'est toi un tremblé, hein? Vagine Clément, puis tel, tremblé, Vagine Clément. Vagine. Clemmers. Ça se peut pas. Il n'y a pas personne qui a appelé son enfant Vagine. Ben, Facebook. J'imagine que oui. Tu penses à quoi, toi? Vagine. Comme en Russie, j'ai entendu. Vajoum. Oh, Damien qui envoie un message. Envoie-moi la visite avec Jazz. Calme-toi, gars. Tu diras à ton agent qui écoute pas. Ah ouais, c'est ça. Puis là, Damien est arrivé, puis il a dit fuck it. On a des notes, des bummers, nous autres. Ouais, pas que les affaires, ça. Mais ouais, des bonnes histoires. Prendre soin de nous autres, c'est très. Comme moi, là, la semaine, je bois jamais, quasiment jamais. Fin de semaine, à moins que j'ai de la visite chez nous, je bois pas chez nous non plus. Ouais. J'ai comme bien slacké là-dessus. Là, je vais au hockey, là, je joue au hockey le lundi soir, puis on monte en l'air. Avec les boys. Moi, je mets mon club soda. Gars, au début, quand c'est ma nouvelle ligue, ils sont comme, Chris, tu bois pas? Je dis, non, ben, moi, je bois rien qu'avec mes chums. C'est ça, je dis comme joke. Puis vous êtes pas mes chums. Ça fait une bonne petite joke, mais pour le vrai, non, j'essaie de slacker là-dessus. Puis ça a fait une grosse différence de ma perte de poids, juste couper à boisson. Ah, je suis d'accord. Les gars, j'ai des nouvelles pour vous autres. Ici, j'ai trouvé une vagine Petrilli, une rose vagine. Une Rachida Vagine. Ben ça, c'est des noms Facebook. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Allez. Avril Vagine. Vagine Membel. Vagine Redderer. Fait qu'il y a des vagines. Mais c'est peut-être Vagine. Vagine. Anyway, il y en a. Ça existe. Bonsoir. Je m'appelle Vagine. Je peux-tu ramener un sujet du début du podcast? Non, absolument pas. C'était quel le début du podcast? L'année passée? Ton trip de Panama. Où est-ce que t'as pas été sur un resort? Oui. Est-ce que tu t'ennuies du resort? Non. Moi, je vois sur un resort, honnêtement, la seule affaire que j'aime, c'est la convenience de pas être obligé de te ramasser ou pas faire grand-chose. Mais quand t'as rien à faire, faire ta petite vaisselle, faire ton petit souper, là, c'est pas grand-chose. Puis même, là, tu peux pas le faire. Va te commander quelque chose. Va au restaurant. Il y a des restaurants partout. Nous autres, on a fait la même chose aux îles Vierges britanniques. Ouais. On était 6. Trois couples. J'ai adoré ça. Ouais. Mais c'était la première fois pour Marie-Pierre dans le sud. La prochaine fois, je veux qu'elle expérience un resort. Tu peux pas nier le fait que c'est le fun d'être traité comme un. Tu me regardes, puis j'ai dit nier le fait. Hein? Non, à cause je te vois proche de ton micro. Je dis, moi, tu vas jouer proche de mon micro. Wow. Bouge la crème. Tu peux pas. Hein? Non, mon esti. Bouge la crème. Tu peux pas nier le fait que c'est le fun d'être sur un resort, puis être traité comme un. Comme un roi, man. C'est le fun. Ah oui, c'est ça. Mon but cette année, c'était de passer la nouvelle année. Dans le sud. Dans le sud, mais avec les circonstances de famille puis toute cette année, je le ferai pas. Mais on est en train de parler d'aller au Pérou au mois d'avril. Ça, c'est un beau pays. T'es allé en Thaïlande, toi. Moi, t'es fait un tattoo en Thaïlande. Oui. Comment est ton expérience de Thaïlande? Un bamboo stick qui met des aiguilles au bout, dip ça dans l'huile, dans l'angle, puis ils font à main. Là, il est où ce tattoo-là? Ton bras? Il est en arrière. Mon bras, c'est mon nom en Thaï. Ah, nice. T'es sûr? Non, je suis pas sûr.
C'est ça le pire. Je me mets souvent des long sleeves parce que je veux pas que personne l'avoue. Mais non, c'est ça qu'on. Soit on a fait ça avant d'avoir les enfants, moi puis Véro. On s'est rencontrés. On s'est pas rencontrés, on s'est rencontrés bien avant ça. Mais elle est allée en Australie. Elle a fait un mois en Australie. Là, on s'est rencontrés en Thaïlande. Puis on a passé un mois en Thaïlande. Super beau mois. Thaïlande, super beau. C'est une belle première date. Oui, c'était pas notre première date. On savait fréquenter avant. OK. Super beau pays. C'est cool, ça. Je referais ça. Je te dirais, honnêtement, je trouve que quand on est allé au Panama, feeling comme Thaïlande avant des années que c'était moins touristique. OK. Tellement des belles plages, tellement le même feeling qu'en Thaïlande, juste moins de Christine de monde partout. En Thaïlande, c'est pacté bien raide. Tu vas à Bangkok, là, tu veux te tirer une balle dans la tête. T'sais. C'est juste trop busy. C'est trop busy. Si tu vas là pour relaxer, tu n'es pas à bonne place. Ouais. Tu vas dans le sud, les billes sont incroyables. Tu veux du party? Il y en a du party. Si tu veux relaxer, pas super à meilleure place pour relaxer. Ouais. Tu veux juste... Comme moi, là, je vais dans le sud, là, je sais pas, je suis antisocial peut-être, ça me tente pas de jaser avec... des chums, ou pas des chums, je veux dire. Y'all from Canada! Ouais, hey, du monde que tu rencontres dans le sud que tu reverras plus jamais le restant de ta vie. Ça me tente pas de parler avec eux autres. Je veux parler avec des locales. Ouais. Ou parler avec ma famille. That's about it. Le monde local, c'est le fun. Ça fait le party pis tout ça. Mais c'est du monde que t'es dans des circonstances par idéal. Fait que c'est certain que le gars, il a de l'air super cool parce que t'es dans les circonstances les meilleures. Mm-hmm. Mais là, tu le revois plus tard, que tu... peut-être que c'est pas la meilleure. C'est pas. Qu'est-ce qui est dans la meilleure situation, toi ou le local? Qui est dans la meilleure situation? Non, mais ils sont dans la même. La non, même non, non, je veux dire, quand tu vois du monde dans le sud, là, t'es dans le resort. Ah, oh, d'autres touristes. D'autres touristes. Oui. Là, t'es comme, hey man, ce gars-là, il est sharp au bout. Mais ben oui, il est dans le sud, Chris. Il est dans le sud, c'est certain qu'il est pompé. Il n'y a zéro là, stress. Il n'y a pas de stress. C'est comme quand je me suis soulevé la face avec un jeune de 15 ans. Ouais, ce gars-là. Ah, c'est qui était sharp. Ouais, ben cool. Ben oui, mais il est probablement cool. C'est juste comme là, tu le revois plus, tu y reparles plus, ou tu peux y reparler, puis whatever, mais. Tu t'en viens ici tout à l'heure, là. Hey, mais des pommes! Non, non, c'est le petit gars de 15 ans. Mais nous autres, quand on était à Charleston, on s'est fait des chums de l'Allemagne, puis de. Ça, de ouais, ça c'était sharp. Ça, c'était sharp. Ouais. Ouais, c'est. Mais BVI, cool. Tu parles comme une plage pas touristique aux îles Vierges britanniques. Mm-hmm. C'est ça que c'était. On voyait le même 4-5 personnes sur la plage à chaque jour. Puis t'avais l'Américain typique qui arrive. Y'all from Canada! Y'all enjoy your time! Là, c'est comme ça. Fuck, hey, j'ai mal à la tête, là. C'est qui était à chalet? Poignet nosebleed. Ah, oh, il était à chalet, là. Sont-tu donc à chalet, les Américains? Non. Ils sont pas tous comme ça, mais ils ont dit oui pour le podcast. Non. S'il vous plaît. Écoute, non, lui on avait le typique comme loudmouth. Mais j'avais la même opinion, déjà, jusqu'à temps qu'on pop notre road trip aux States. Pis... Ben oui, au States, c'est pas pareil. Je veux dire, un touriste américain. Un touriste américain. Je dirais en Europe, pareil. Peut-être pas autant, mais dans je le sud. Je pense qu'on est plus loud ah, que. Ah, son. Una cerveza por favor. Ouais. Hey, honey, I know espagnol. C'est quel comédien qui dit ça, c'est un jeune anglais qui joue Marco Polo. Marco Polo! Ta gueule! Ça, c'est un skit de c'est Patrick qui, Gros. Ça? Ah oui, c'est ouais, ça, ouais. C'est ça. Ah, ils sont juste. Il y en a. Tu peux pas généraliser. Non, mais j'ai bien des chums américains. Ils sont tous down to earth. Ils sont pareils comme nous autres. Chris, il y a des millions de personnes. Ils sont pas toutes dans le monde. Non. Mais c'est parce que c'est tellement huge. Il y a 340 millions d'Américains. Ouais. Puis s'il y en a 5% que c'est des hosties de caves. C'est eux autres qui sortent toujours. C'est quasiment aussi gros que la population du Canada. Ouais. Right? Ouais, c'est fou, hein, quand tu y penses. Ouais. Ben non, 10%. C'est fou. C'est fou. C'est fou, hein? En tout cas. Ouais. Mais c'est en visitant d'autres pays, tu en apprends beaucoup sur toi-même. Ça solidifie un couple et tout. Ça solidifie une amitié. Ça solidifie bien des affaires. Ça passe ou ça casse? Parce que c'est... T'aurais dû voir. Ça fait 2 jours que je suis tout seul. À Venise. Je le sais parce que j'ai entendu. Je reçois le message. Puis là, je suis en train de suivre ma map. OK, Marc, je m'en viens. C'est comme 2 fois plus long que je pensais me rendre où ce qui était. Puis jusqu'à temps que tu y vas, là, c'est fucking dur de trouver si tu t'en vas à Venise. Trouves-tu que quand tu marches à Venise, c'est des esties corridors partout? Oui. C'est des quoi? Des corridors. Oui, c'est des corridors. Tu vois c'est une maze. Tu vois le soleil. Tu peux pas t'orienter. Tu peux pas t'orienter. C'est pas le nord. Tu vois pas de building de loin. Tu sais, comme, y a tout pas a l'air pareil. Je le sais. C'est toute la même cochonnerie qui vend. Mais là, un moment donné, tu viens que. Oui, c'est toute la même. Des masques.
M'a t'en acheté 10 pour les mettre à terre dans la rue pour piler dessus. Ouais, bon, juste bon. Pour que tu vas. Va-t'en chez vous. Je t'ai payé, là. Va-t'en chez vous. Passe du temps que tu fais. Tout le monde va être joyeux. J'ai acheté un masque, tu peux fermer ta shop. J'ai fait la faveur à tout le monde ici. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça, mais ça, c'est sur les strips touristiques, parce que le tour qu'on a fait, on a vu d'autres choses, là. Oui, on s'est promené dans des alleys où ce que tu penserais qu'il n'y aurait rien. Au bout, t'arrives, paf, oh, un beau bistrot. T'as-tu vu l'affaire de livres? Où il y a plein de livres. Non, non, pas aussi. Des livres et des livres. Il y en a quasiment une montagne de livres. Une bibliothèque, tu veux dire, là? C'est-tu ça? Calis, sort plus de. Sort plus souvent chez vous. J'avais jamais. Sort de Limoges, Calis. Les gars, il y avait une bibliothèque. Chris, moi, à Vers, on avait un bibliobus. Bibliobus? Tu connais pas ça? Un autobus qui arrive avec des livres? Ben oui, parce que notre école n'avait pas. Ben oui. Les ventes de livres scolastiques, c'était assez cher. Ben ça existe encore. C'est un style scam, ça. Les livres sont bien trop chers. Ben oui. Moi, je me souviens. C'est une industrie qui est en train de mourir, ça. Ben oui. J'achetais tout le temps les livres histoire de soccer, là, comme. Ah, oh, papa, je veux moi celui-là. Okay. Tu le liras pas, Carlis. Tu vas dessiner. Tu sais pas lire, t'as maintenant que déjà des signifiants. Ça va nulle part. Hey. Ça va nulle part. Oh, pauvre. Tu vas être comme ta mère, pauvre. Je dis que c'est une industrie qui est en train de mourir. Je n'achète quand même assez de livres parce que j'aime ça lire d'un livre, puis je suis pas capable de lire d'un Kindle ou d'un iPad. Mais si tu es aux études, puis tu es fucking cassé, right? Achète ça me tentait pas, moi, d'aller acheter 500 pièces de livres à la librairie de la cité collégiale. Non. Si j'aurais eu la chance de les downloader, je l'aurais fait. Je trouve aussi, comme tu vois, une place loin, tu peux pas emmener comme fucking 10 livres avec toi, et là, si tu veux en lire beaucoup, là. Quelqu'un qui lit beaucoup, là, il peut en passer un livre dans une semaine assez vite faite. Ouais. C'est un voyage pour lire 10 livres. On s'entend tous devraient rester chez vous. Ah, moi, j'aime ça lire des livres en voyage. C'est à la plage, ouais. Ah, quelle sorte de livres tu lis? Moi, j'aime des biographies de joueurs de hockey ou de joueurs sportifs. C'était quelle la plus intéressante? J'ai bien aimé Gordie Howe. Ah oui? Ah, ouais. Parce que la différence d'âge. Comme, c'est dans le vieux temps, lui-là, là, qui a commencé. Puis là, il a joué au hockey jusque dans le temps que quasiment tu t'en rappelles, tu sais. Ouais. Puis tu vois l'évolution un peu du hockey, puis l'évolution de lui. Mais moi, là, j'étais un genre de gars un peu dans ce style-là, comme old school. Tu lèves le matin, tu vas travailler, puis ferme ta gueule. Non, mais je ne compte pas malade parce que j'ai sniffles. Tu sais, là, ouais. C'était un rough and tough. Ça, c'est le genre de gars, il ne donne pas une caresse, puis il dit, je t'aime. Là. Il donne un il check la main, puis s'il te donne un coup de poing, c'est à cause qu'il t'aime encore plus que les autres. Un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, exactement. Mon genre de gars. Il est encore vivant? Moi, non. T'es pas un genre de gars? T'es pas ton genre de gars? Ben, je pense que oui, je pense. Yeah. Oui. Mais on s'entend bien. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Ben, ouais, mais je suis pas Gordie Howe. Ben, il non. C'est Jasmin Pédale Pelado. Il est encore vivant, lui? Je pense qu'il est décédé. Oui, hein, ça fait pas longtemps. Oui, il est mort, for sure. Ça fait pas longtemps. Ouais, ça fait pas très longtemps, peut-être un an. Un an. Il joue pas encore au hockey. Il a joué l'année d'avant. Mort sur la glace. Je regardais la game de l'Alumni des Sens au Joe. As-tu regardé? Non. J'ai pas le câble, moi. J'ai juste Netflix à la maison. Je regardais Alfie jouer. Je regardais Fisher jouer. Neil. Yashin. Ils ont tous l'air comme s'ils pourraient jouer encore. Ah oui, mais ils jouaient contre des autres. Oui, je comprends, mais je comprends pas où ce que t'as le drop-off. Il est encore jeune, Alfie. Je veux dire, il a 40 ans. Il a 39 ans ou 40 ans? Oui, mais... Jagger, j'ai encore. Jagger joue encore. C'est ça. C'est une petite machine. Un, c'est fauteuil. Comme Jagger, la raison qu'il est là depuis tellement longtemps, c'est le work ethic qu'il met en dehors de la glace. C'est ridicule. Juste pour être au niveau des NHL. Comme les jeunes young guns, ils peuvent trainer peut-être, je sais pas, 10 heures par semaine, puis jouer au hockey, puis ils sont top shape. Ouais. Lui, là, il faut qu'il mette un 40 heures de plus. Ouais. Pour être au niveau. Mais lui, il veut le faire parce qu'il aime ça plus que n'importe quoi d'autre. Puis il va pas bien jouer à Calgary. Il perd après un bout, là, Alfie, peut-être qu'il a mal, esti, comme. Ça fait mal jouer au hockey, là. Un Chris Neal qui veut jouer au hockey. Oui, mais Chris Neal, c'est plus pas Jagger ou Alfredson. Non, OK. Il n'y a plus le mauvaise. Il n'y a pas le. Moi, j'en ai une bonne exemple. Pas une mauvaise. C'est une bonne exemple. Je m'excuse, là, mais les Sens, quand ils perdent 10 games en ligne, là, ouais. Pis t'as un Chris Neal sur le line-up que tu peux rentrer juste pour changer les choses. Tu sais, en l'antichambre, ça, t'as-tu? Ouais, on jase un peu hockey aujourd'hui, là.
Mais le Winter Classic m'a genre comme il m'a ramené en vie comme un fan des Sands. Ouais. Mais ah, tu oui, pourrais t'en servir d'un Chris Neal comme c'est là, puis pourquoi pas offrir comme un salaire de 700 000 à ce gars-là? Tu peux le garder dans la chambre, tu peux le mettre sur la glace. Laisse-moi venir mon essai. Lui a joué, toi t'as pas joué assez. Ben non, mais j'ai pas joué haut là. Oui, oui, mais c'est une vue de l'extérieur. Je sais que je suis pas un joueur de hockey, j'ai pas aucune connaissance à ça, mais me semble que ça aurait pu être d'un bénéfice. Lui va te le dire. Moi, ma théorie, encore là, je suis pas un professionnel là-dedans, aucunement. Mais qu'est-ce que moi je pense, c'est tant que t'as deux choix, t'as Chris Neal ou t'as peut-être un jeune 20 ans, whatever. 20 ans. 18, 19, 20, 20 ans. Disons 20 ans. T'as les deux. Les deux pourraient produire probablement autant un que l'autre. Mais, comme vous disiez des fois, dans la défaite, tu n'apprends beaucoup. Ouais. Mais qui va bénéficier, bénéficier mieux? Chris Neal pour ou ton futur joueur que Chris, il sait c'est quoi des défaites, puis il sait comment se remonter de ça, puis il sait comment faire de quoi. Les deux vont faire les mêmes points à la fin de la game. OK, ils ont à la fin de l'année. Ils n'ont peut-être pas le même type of play, là, comme Neil, il est rough and tough, là, ouais. Mais il n'y en a plus, besoin d'un rough and tough. Tu as besoin que ton jeune il apprenne c'est quoi la NHL pour que quand il arrive à 25 ans, il soit top cheese. Sinon, Neil, il est là, il s'en va, l'autre, il rentre à 25 ans, il n'a pas joué une game encore parce que tu as laissé le vieux rester depuis trop longtemps. Tu as besoin de ça. Ouais. Ouais. C'était un bon point. Là. Ouais. C'est juste que. Mais tu pourrais avoir ça, quand même la sagesse sur le ça serait. Écoute, c'est un fairy tale, là. Ce serait le fun de le garder, mais ben, un moment donné, toute bonne chose a une fin. Regarde, les Sens apprennent pas, puis après ça, ils trouvent pas une job nulle part d'autre. Bon, ben, les Sens, ils ont peut-être pas fait une mauvaise job, là. Mm-hmm. Chris, quand personne d'autre veut l'avoir, ça veut dire comme. As-tu regardé son press conference quelque part? Non. C'était sharp, man. Tu vois que le gars, comme il a adoré jouer, puis il voudrait tellement encore, puis il pleure. Puis... Ça doit être l'affaire. Un esti de bon Jack. Yo, tu te fais connaître comme je suis Chris Neal, un joueur d'hockey. Puis du jour au lendemain, t'es plus un joueur d'hockey. T'es un ancien joueur d'hockey. Oui, t'es comme le monde t'aime pareil, whatever, surtout à Ottawa, mais t'es plus ça, là. T'es plus un joueur d'hockey, là. Ouais. Arrête de le dire. Il aurait peut-être dû prendre sa retraite une couple d'années passées, mettons. Un des trainers au gym, c'est un gars. Christo, j'oublie son dernier nom, mais il a joué dans la NFL jusqu'à l'année passée. Puis j'ai lu un article à propos de lui, puis j'en ai parlé le matin. Puis il me dit, quand que t'as plus de fun en dehors des games, à mettre l'ouvrage, puis le work ethic, puis comme mettre le temps, tu devrais juste prendre ta retraite. Accepter le fait que tu t'es rendu plus loin que bien du monde peuvent le dire. Ben oui. Puis prendre ça, puis t'en aller avec ça, puis être proud. Puis c'est ça qu'il a fait. Lui. Là, il est revenu par ici, il a joué dans la NFL. Là, il travaille pour le Ottawa Community Housing. Ah, ouais, il aide les jeunes au football. Comme peut-être que Chris Neal, autant que je suis triste de le voir partir, ben, c'est une bonne chose. Il va faire quelque chose de bien pour la communauté, je suis certain. Ouais. Il reste-tu? Hey, début du podcast, c'était pas mal déniaisé. Hein? Mais là, on a comme... Ça a changé de tone. Step it up a notch. Oh, nice. Step it up a notch. Hey, step it up a notch. Hey, t'as une voix. Nice. Oui, moi, je peux aller deep comme ça. Puis après ça, comme cowboy. Tu peux parler de même pour le restant, je te dis. Non, mais... Fruit of the puri. T'en rappelles-tu de ça? Oh, my. Oh, mon chum cowboy voulait que je fasse... Fruit of the puri. Fait ça, c'est la même voix de back and forth. Wow! Ouais, c'est quoi ça encore? Ça, c'était Manu, en informatique, en 9e ou 10e année. Il disait ça, c'était dit comme... Là, moi, je l'avais fait, puis j'étais capable de le faire plus aigu qu'eux autres. Là, c'était comme la grosse joke, puis de tout ça, là, ça reste. Manu Vio? Manu Vio, ouais. C'est le rocker! Fait bien, lui. Ouais, je le vois, c'était dit sur Facebook, puis c'est cool. Ouais, va falloir l'inviter, Manu, tout. Ben oui, absolument. En tout cas, on avait fait une liste, puis t'étais là-dessus. Manu, t'es là-dessus. On a une petite liste, là. I made the cut. You made Vendredi, the on a cut. Patrick Lamesse. Patrick Lamesse. Ouais. À quelle heure? 2 heures. Hey, on a un back-to-back-to-back. On va venir pop-in comme la pomme. Mais c'est sure. Ouais. Tabarnak. Ça serait cher. J'ai pas fini de parler, con. C'est mon tour. T'es mis de main. M'en viens manger des chips à côté de vous autres. Non, Pat Lam, c'est un... Samedi, c'est Sean bon Edwards. Ah, Sean, ça va être bon, ça. Ça va être bon, Sean.
Sean, là. Ça, je m'en rappelle. Ça peut être le plus gros trou de cul au monde. Qu'est-ce mais c'est. Pas bord. C'est notre trou de cul. Tu comprends? Il est sur ton bord. Tu l'adores, là. Ah, man. Puis lui, quand il prend, il commence à être chaud un peu. C'est un gars de caresse puis de bec dans le cou. Asti. Bon, Sean, au party chez nous, il est là. Sean, il est là. Toi, t'es là. Puis, vous avez vos smokes. Puis là, vous me parlez, puis tout ça. Je dis, hey, donne-moi donc tes smokes. Ah, là-bas, je voulais te cuire. Tu me donnes des smokes. Il me reste une cigarette à la fin de la soirée. Là, j'ai cardé ça le feu. Oh oui. Il prend mon. Hey, m'a donné tes smokes, puis il restait une smoke pour puis les. Puis tout est fermé en autour d'un talimage. Ouais. Oh non. Puis tu sais, tu vois, t'es autour d'un feu. Des fumeurs du jeu, là. Tu sais, oh, autant j'étais en esti après toi. Je t'aurais pas rien dit parce que tu peux me coller sur une volée qu'un bras, toi. Sean, il est allé chercher son AK-47 dans le hein? Non, non. Oh my God! What the fuck? Il est genre 2h du matin. That doesn't sound like him. Chris, je me donne ton pack de smoke. OK, man, tiens. Comme Jasper. Prends mon pack de smoke qui colle dans le feu. No! Mais, en tout cas, 1er janvier, 2 janvier... De là au chat. Smokes? Mm-hmm. Dry January, calé, ça va être rough and tough. Bon, écoute, man. Note to self, don't call Charon. Parle-moi pas! Je ne vois pas! Le prochain podcast, ça va être moi, en beau tabarnak. En joggers, elle s'en joggers, puis les chips sont là. Ok, je ne veux pas parler. Bon, je ne connais pas, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne veux pas boire de bien mon podcast. Je pas beau. T'as pas mon opinion, ben écoute pas. T'as une paille, fuck you. Comme l'entrevue de Billy Bob Thornton sur Q, il y a une couple d'années, vous en souvenez-vous? Non. So, Billy Bob, you got a movie coming out? You excited about it? Yeah. Des fois, il s'en calait. Oh, oui. So, you got a new album there for your music? That's interesting. Uh-huh. Tu veux faire quick, ça? T'es un méchant truc. Ouais. Tu dis, well, thank Billy you very Bob, much des for fois, coming. Peut-être... Yeah. Well, all right, so we're going to carry on. Thanks, Billy Bob. Billy? Bob? Billy? Mr. Bob? Mr. Bob? Avez-vous écouté Fargo sur Netflix? Mais, qu'est-ce que c'était bon en tabac? Calisse! Ça, c'est bad. Bon. C'est quoi, ça? C'est un vieux film. C'est une vue? C'est une bonne vue, ça aussi. Oh, OK, yeah. Mais ça, c'est pas l'histoire. Yeah. Parce que l'avion... L'avion qui crash, puis il faut qu'il ait trouvé l'avion pour voler... Non, c'est pas ça, Fargo. C'est un gars qui a des problèmes. Il a des problèmes. C'est bon, moi. Le gars, il a des problèmes. Le gars, il a des problèmes d'argent. Ouais. Puis, son beau-père, il est bien riche. Fait qu'il organise un coup pour que sa femme se fasse voler, enlever de la maison. Puis, les gens qui ont volé la femme sont supposés demander un rançon. Okay. Fait que demander 80 000 au beau-père. Puis, du 80 000, le mari est supposé garder 40. Puis les deux kidnappers sont supposés garder 40. OK. Puis là, comme évidemment, ça dégringole. Là, c'est pas bien... Reindeer Games, ça? Reindeer Games, c'est pas une affaire de guerre. Non, Reindeer Games, ça sonne comme ça, mais ça, en tout cas. C'est Fargo. Fargo. Go ouais. Far. Go Far. Puis là, ils ont sorti une série sur Netflix? Ouais, là, ils ont juste fait une série. Ça regardez ça. Faut-tu t'aies vu le film pour comprendre? C'est relié... Bloussement, c'est vraiment... Bloussement. Tandis que notre visite est partie à la salle de bain, on peut parler du NHL Winter Classic. Comment t'as trouvé ça? Super cool. Man. Oui. La jet, écoute, que ça t'a-tu surpris? J'étais sur ton balcon, puis j'ai eu peur quand que la jet a passé. J'avais peur que les vitres pètent. So, cette semaine, quand je suis sorti, ben hier, hein, soit dit en passant, il y a quelqu'un qui est en train de faire changer une fenêtre. Encore? Sur mon étage. Fait que la jet, elle a peut-être pété une coupe de il n'y a fenêtre. Pas une vitre qui est tombée il n'y a pas longtemps? Oui, cet été, il y a une vitre qui est tombée du 17e étage. Une vitre qui est tombée. See you in heaven. Non. Non, on va pas l'encontre. Mais, ouais, so, hey, ça, c'était friggin' fort, là, cette jet. Friggin'. Friggin' colique. Mais c'était vraiment cool comme événement. C'était bien plus cher pour regarder ça que la Grey Cup. La Grey Cup, c'était le fun. C'était le fun. C'était... Mais là, on voyait ça super bien ton balcon, sauf qu'il faisait extrêmement fucking froid. Mais c'est comme... Mais... Bah! Y'a tout cassé! Y'a tout cassé! T'es-tu lavé les mains? Condo de Minto de ta maman. Minto, je vous aime. Si vous voulez lister vos maisons avec moi, je suis plus que partant. By the way, on vend les maisons. C'est pas Jazz qui va faire les escaliers. Inquiétez-vous pas avec ça.
Allez, il va pisser, il casse ma poignée de pop. Oh, wow. Poignée de pop. Good job. Good job. Hey, on se traitait pas de poignée de pop, même un moment donné au high school. On se traitait pas de gauge. Gage. Mais là, c'est une poignée de pop. Je pense pas qu'on disait gauge. Non, ça, c'est un affaire d'embrun. Ouais, c'est un affaire d'embrun. Ouais, comment t'as trouvé ça, la game dehors, les 67, hey, puis. Capoté. Les Olympiques, hein? Olympiques. C'est différent. Qui a gagné? Olympique, Calic, qui ont, je pense qu'ils ont 3-1 ou quelque chose. Ouais. On appelle la Happy bien vite. Là, ben, il était sur le banc, je leur parlais, je lui disais, hey, fais-nous descendre. J'étais là avec mon gars, puis un ami, puis son gars, puis Tauvette, puis sa femme. Fait que, je disais, Chris, fais-nous descendre. Il... Oh, mon sol, il est tombé mort dans la troisième période. Ah, il pouvait juste descendre. Pas, puis il n'y a tellement pas de poule. Le gars, c'est un water boy, dans le fond. Là. C'est le head physio des Olympiques de hockey. De Gatineau. Mais, dans le fond, là, en nous et toi, là, on ne dit pas personne. Mais c'est Waterboy en tabac. Mais, ça, tu dis ça pour que la prochaine fois que ça se passe, c'est comme, oui, oui, je suis capable de te faire rentrer. Mais, ouais. Non, je suis allé voir une game, puis j'y avais dit que j'étais pour y aller, puis il m'avait pogné d'étiquette, puis tout ça. Après la game, je descends aller voir Lappy. Ouais. Puis, tous les boys, des joueurs qui passaient, ça avait toute une crack à y lancer, hein. Il est comme. Ce gars-là, là, faut que tu ris de lui parce qu'il est trop le fun à rire de lui. Ah, il est juste bon gars. Il est juste tellement bon gars, mais il faut trop rire de lui parce que c'est là à pied. Ouais, ouais, puis il prend ça bien. Ah, oui, comme, oh, ouais, les boys, c'est là. C'est ça, puis il est peut-être carotte, aussi. Puis là, on regardait justement, puis on parlait à son père, on a vu son père, puis on est comme. On a dit, why you, Bastien? Bastien. Sur le banc. Mais là, on a vu un gars, mais Chris, il n'y avait pas de gros cul à Bastien, fait qu'on savait que c'était pas lui. Comme son père, ah oui, il remplissait pas les culottes, hein, comme l'autre, hein. C'est Luc, il a un bon yaou et tout. Ah voilà. Oui, on a eu la chance de travailler avec tes parents à la Happy récemment, puis c'est tout du bon monde. Hey, une autre petite histoire de même, que toi, t'étais dedans, Charon. Ah oui? T'en rappelles-tu? On était à Bourgette, puis là, on avait un show de country, qu'on était au centre communautaire, à The Country. Okay. Fait que là, on était là, puis Lappy travaillait comme bartender à Bourgetel. Fait que là, moi, je me promène, je dis, bon, ben, on va aller voir Lappy à Bourgetel. Moi, puis Tauve, non, moi, puis Lortie, ça en va vers la Bourgetel. On marche. Là, on passe en avant d'une maison qui est le voisin de Luc Laplante, Sébastien Laplante, son voisin, où est-ce que Simon Brunet restait avant. Là, on est comme, hey, il y a un party là-dedans, mais le gars qu'on connaît, il vit plus là, mais tu crées, on va rentrer. Fait que nous autres, moi, nous deux, on rentre dans la maison, puis on se dit allô à tout le monde, puis là, c'est des Anglais, ils sont comme, quoi, c'est qui ça? Moi, puis toi? Non, c'était moi, puis l'ortie. OK. Fait que là, je pense que c'était moi, puis l'ortie. Puis là, on rentre là-dedans, on parle, nanana, nanana. Là, le monde, sont comme, OK, ben, allez-vous-en. Là. OK, on sort du party, tu sais, on connaît pas le monde, mais whatever, t'as Bourgette. On t'a retourné. Oui, ben là, je suis allé à Bourgette. Ouais. Là, je suis au bar avec Lappy, il prend une coupe de bière, Tauvette, il dit, hey, vous êtes où, les gars? Je dis, Tauvette, on est chez Simon Brunet, la vieille maison à Simon Brunet, on est là. Viens-t'en, Chris. Ah ben, cool. Ben là, Tauvette s'en vient. Tout d'un coup, lui, il rentre dans la maison et tout. Là, les Anglais trouvaient ça un peu moins drôle. C'était comme, wow, là. Hey, arrêtez de rentrer dans mon mais vous autres, vous étiez là. On était plus là. On était à Bourgetel. T'as envoyé là, lui, là. Il va là, tout seul. Là, il rentre dans la cave, il est comme, hey, je suis avec mes chums, là. Il a dit, là, get out, là, puis il commence la bataille, puis il sort de ma maison, puis ah ouais, donc. Fait que là, lui, il nous appelle. Là, nous autres, on arrive pour le défendre. La bataille commence à poigner dans la rue. Luc, la plante sort dehors. Jasmin, lâche-la, la chicane. Moi, j'avais des flip-flops. Garoche mes gigounes, rendu nu-pied. Ah ouais, la bataille commence, là. Je me mets à poil. Je mets huile partout. Ah, huile de chest. Ah ouais, huile de chest avec les huiles essentielles à Marie-Pomme. Là, on est paré pour la bataille. Luc, il sort. Hey, pas de bataille. Nous autres, on se sauve. La police arrive, parce que j'avais dit des affaires pas trop correctes. La police, elle arrive, commence à chercher pour un petit, un moyen, puis un grain. Mais qui spot pas? Il spot Charon. No, oh my Sean, God, c'est vrai! Stekino. Holy fuck! Je me souviens des polices. Il y avait pas c'était Nove. C'est probablement. C'était Nove. C'était Nove, Charon, puis Sean Edwards. Oui. La police, elle vous spot. Trois gars. Un petit, un moyen, puis un grain. Woo! Coupe en avant, vous autres.
Charon, quasiment, connaît le drill, se garoche une bâche du char, est-ce-tu? Oui, yo, oui, bien. Oui. Wow, hey, j'avais, je me suis. Il y avait 5-6 polices qui cherchaient pour nous autres, puis ils ont pogné Charon, non, puis Charon. C'est vrai, man. J'avais complètement oublié ça, man. Ah, hey, drôle, Sean, il était en tabarnak. Sean, let me go, let me go, let me go. Get on the dash, quasiment, comme il en fait. Je m'aurais jamais rappelé de ça. Ouais. T'en rappelles, là? Ben là, je m'en rappelle comme certain. C'est comme c'était hier. C'était drôle en Chris. Mon tabarnak. C'est à cause de moi. Là, 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 coupe la visite, c'est fini. Je t'en nasty. Oh, wow, man. Des enfants niaiseuses, hein? Mais tu rentres dans les parties de quelqu'un que tu connais pas. T'étais-tu là quand on est rentré au Bourgetel et on a sorti de la bière? Oui. Dans la van à Nick Lortie? Ben oui. Fait qu'on rentre au Bourgetel, le petit bar. Tu sais, ça avait été réouvert, je pense. Oui, oui, oui. Fait que là, on s'en va tout, puis on a toutes nos fake ID, mm-hmm. On s'en va au bar, on ordre une bière, puis là, il regarde ma fake ID. Non, ça marche pas, ça. Mais là, je pense que c'était-tu toi ou c'était Cowboy? Cowboy. Walker. C'est un Cowboy. On regarde, il y a deux grosses bières sur le comptoir. On se regarde. Ben, ça doit être nous autres, ça. Point que ça, puis on s'en va en dansant, on sort du bar, on rentre dans la van à Nick, la van à sa mère. Il est parké en avant. Go, Nick, go! Bon, pas le là, on eux s'en vient, bang, David. Donnez-moi ma bière, mes petits tabarnak! Donne la bière. Tu vas te souviens-tu de la fois à boîte à chansons? Ouais, quand on valait des caisses de bière. Ouais. Ouais. Tu me regardes, t'es comme. Non. Va parler avec le bouncer. Là, il y avait comme les escaliers, là. Ouais, puis t'allais en dessous. En dessous des escaliers, ouais. Là, je parlais avec le bouncer. Là, à l'arrière du bouncer, je vois Jazz se faufiler en dessous des escaliers et rentre dans le cold storage, sort avec une caisse de Corona ou de Heineken. Oui, Heineken. Je pense que ma beer of choice. Ah oui, puis là, pendant que je parlais avec le bouncer, tu sortais du bar, tu la mettais en arrière, puis après ça, on allait chercher ça avec le char. Dans le parking. En une soirée, j'en ai sorti 5. 5? Tabarnouche. C'était le même petit get-up, j'allais chercher ma caisse, mettais ça. Peux-tu t'en revenir dessus à ce point-ci? Ben, qu'ils viennent me chercher, ma caisse. Là, on cherche un grain, un petit moyen. Ils m'ont pas mis, Charles. Ils vont arriver ici pendant qu'on fait la visite avec Charles. Oh, wow. Oh, mais ça, j'en ai pas. Hey, des bouteilles de vin. On allait, là, on faisait juste mettre le bras par-dessus le bar. Boum, poignée de bouteille de vin. Là, on n'avait pas de cork. On poussait le style d'affaires au fond, puis on mettait ça dans les pitchers qu'il y avait là. Ah, ouais. Et là, le bartender vient me voir, le bouncer. Hey, je t'ai poigné ton pitcher de vin, toi. C'est pas vendu. Fait que là, il va au bar, je vais voir mon frère, on change de linge. Les deux, on switch de linge, je mets la casquette. Là, je m'en vais, puis là, je jogue l'affaire de vin. Boum. Là, il retourne, le gars pogne mon frère. Hey, toi là! Oh non, c'est pas toi! Il tasse. Non, là... Les foleries de jeunesse. Oh mon Dieu, on en a fait des affaires. J'espère qu'on n'a pas fini. Ouais, ben là, voler des caisses de bière, c'est certain qu'on finit de faire des niaiseries. Ouais, ça, je fais plus des choses illégales, mais j'en ai fait des affaires. Non, écoute, il y a faire des choses légales. Il y a volé une caisse de bière d'un gros bar qui fait des millions. Ben, de la pièce en tabarnak, ça, je m'en. J'irai pas voler chez quelqu'un quelque chose. Non. Comme, tu sais, je suis pas niaiseux. Non, écoute, il y a des façons d'avoir du fun sans être illégal, là, on s'entend. Mais on s'entend qu'avant que tu aies comme 26-27 ans, t'es un esti de cave. Là. Tu connais rien, tu penses que tu connais tout. Shut up, assis-toi. Ouais. Comme, entre 18 puis 25, je pense que c'est la région la plus danger zone. Moi, parle de mes licences à 20 ans. Ouais, c'est ça. Mais tu venais de voir quelque chose d'incroyable. Oh, je te pardonne, Christian. Ouais. Mais, all due respect, t'es parti d'un coin et tu t'en allais à l'autre coin. Ouais, c'était pas loin. Dans le temps, ça a été comme ça. Ben, honnêtement, 100 mètres. Ouais, c'était. Non, c'était peut-être. Un kilomètre. Ouais. Un kilomètre. Dans le village. Un bout de Rockland à l'autre. C'était quand même niaiseux, puis c'est la meilleure chose. C'était pas nécessaire, c'est ça qu'il était. Je n'ai parlé, là, sur notre épisode des corrections. T'aurais pu marcher, ça t'aurait pris 15 minutes. Peut-être une demi-heure parce que je faisais. Ben, j'étais pas loin. J'étais chez un de mes chums, mais tu sais, tout à l'heure, tu disais, on n'est plus invincible. Ben, je me sentais invincible. Puis c'était comme, prends mon char, on va coucher chez nous. Mais faites pogner, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée. Ouais. Parce que c'est la meilleure leçon que j'ai eue de ma vie, man. Ouais. Mais dans le temps, t'étais pas pompé, là, quand c'était arrivé. T'étais pas comme, hey, gars, la meilleure affaire qui t'est arrivée de ma vie. Mes permis. Quand tu sais, pense ça, là, OK? Demain, il y a quelqu'un qui te dit, tu peux pas conduire ton char pour un an. Ben, moi, tu sais comment long c'est un an. T'es pas faite. Je peux déjà figurer comment ça fonctionne.
tu veux. Tu t'engages un vendeur. Tu t'engages un livreur. D'où? Où c'est que je vais le payer, ce gars-là? Ouais, OK. Ça va peut-être être difficile de figurer comment est-ce que ça va se passer, mais ça peut permettre à ta business de grossir encore plus vite. OK. Bon, ben, vous autres faites dry January. Moi, je vais faire dry 2018. Drive pas. OK? On va voir comment que je vais grossir. Puis mes enfants vont être dans des boîtes de carton. On va dire, Martin, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée de ma vie. J'ai grossi. J'ai grossi de 40 livres. Je mange du ramen à toutes les soirs, Carlis. Du quoi? Des ramen noodles. Ramen noodles. Bon. Hey, bon. Un petit shout-out à mon chum Kuichi. Un restaurant sur Somerset, dans Chinatown. Ramen. Ginza. Ah, ben, il joue de Uber Eats là-dessus souvent, man. C'est fucking bon. C'est super ramen. Bon. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Lui, c'est Kuichi. Kuichi? Kuichi. Super bon yard. Bien gentil. Il est allé au Japon apprendre comment qu'ils font là-bas. Puis, il est revenu. Puis, c'est... Ginza Ramen. Ouais. Sur Somerset. Parce qu'il y a Ginza sur Elgin. Je pense que c'est Ginza 2. Puis en tout cas, il y a deux différents. Mais celles sur Somerset, ils font leur broth, ils font tout. Oh, c'est à deux secondes de chez nous. Ouais, ouais, ouais. C'est super ça. Bon. Ah oui. Fait que si tu vas là et tu verrais le owner, dis c'est moi qui ai tout fait ses tables, sprayé ses tables et tout ça. Ah, quoi, ah c'est, ouais. C'est une couple d'affaires. Comment est-ce qu'il t'a trouvé, lui? Ben, c'est un ami à Véro. Ils ont fait. Véro était une lifeguard. Pour la ville d'Ottawa. Lui était un lifeguard oui. aussi. Ouais, elle entraînait des lifeguards pour être des lifeguards. Puis le pire, on donne des cours de natation à nos jeunes. Là, je dis, Véro, m'ont dit comment tu as fait ça, Chris. Tu montrais aux jeunes comment le faire. On a une piscine. Garoche dans la piscine. Garoche dans la piscine. Garoche dans la piscine. Bon, mais c'est mon tour, je reviens. Ton tour. Casse pas la poignée, il est déjà cassé. Lâche une vise. Mais ça, c'est une affaire. Là, le spogné. On a besoin d'un meilleur setup. Oui, mais Martin, il m'a de bâtir une table. Oui? Oh. Ouais. Ouh. Oh, challenge! Challenge. C'est ce que c'est que j'aimerais, Jess? Oui, mon petit Martin. J'aimerais ça avoir une nouvelle table à café, là, ici. Là. Oui, hein? Où est-ce que je pourrais avoir, genre, un pop-up? Un pop-up comme avec un spring? Un spring, OK. Ooh. Et puis là, je pourrais accrocher toutes mes cranes pour les micros. Dessus. Hey, on va brainstormer ça, puis ça pourrait être mon don au podcast. Ben là, on s'organisera, là, mais ça serait the best. Parce que ce pouf-là, là, ouais. C'est mal commode. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est le fun de mettre ses pieds dessus. Mais tout, pas là. Pour mettre un drink. Hein? Non, c'est ça. Tu t'installes ouais. avec un verre de mais, vin. Mais ton petit rack, là, il pourrait se tenir à quelque chose de plus beau, pas nécessairement avoir besoin d'un pop-up. Enlève la crane, je te vois pas. Ah, nice! Martin! Bonjour! C'est avec toi je parlais depuis le début! Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe là, quand je jase de Crane, là, ça fait deux épisodes j'en parle. Là. On mettra des photos sur le Facebook page de la visite parce que Martin il se met là-dessus demain matin, là, il fait une Facebook page. On va mettre plein de photos. Tu vas voir, ça va être incroyable. C'est parce que je t'assais un bout du couch puis je vois pas les invités. C'est ouais. Christian qui est assis à puis côté. Chris est dans le milieu puis il est malement placé, quasiment. Hein? Il peut pas regarder toi puis regarder ouais. moi. On a un beau setup. Un petit round table. Un round table discussion. J'aime ça. Oui, peut-être ouais. plus c'est quoi dans ce genre. Mais c'est difficile dans un condo de 600 pieds carrés. De consacrer 300 pieds carrés pour un podcast. Ouais, mais les pommes. On donne à la cuisine, babe, parce qu'on a un podcast à faire. Ben oui, regarde, il y a un matelas sur le countertop. Ben oui, on a. Fait regarde, on lave dans la veuve à vaisselle, c'est parfait. Tu bois, t'as soif pendant la nuit, elle lève la chambre-leur. Ça, c'était une affaire que Charon, il disait, là, t'avais souvent soif, toi, dans la nuit, hein? T'avais ça avoir un là, fridge pas loin? Mec. Hein? Un fridge. Non? Des bouteilles d'eau, c'est ça, une bouteille d'eau. Moi, je me rappelle trop de ça parce que c'était fucké. Oui. J'ai conté une histoire à Marc de. Les premières fois qu'on s'est tenus ensemble, Jess. Moi pis toi? Ouais. Mais. C'est pas ça? nos beaux temps de basketball. Non, ma grand-mère drivait une van puis on s'en allait te ramoncer. Puis là, j'avais dit à ma grand-mère, quand Jess va rentrer dans la van, je vais dire, hey, Graham, monte à Jess, t'es capable de rapper. Oui. T'en rappelles? Oui. Puis là, elle fait, hip! Ah, hip it the hop. Comment Jess, ma grand-mère, elle rap? Oh, ouais. Je dis, oh, ouais.
Hit it, granny! La rap. Elle s'en allait nous amener au shopping center, à Orléans. Puis ton père nous ramassait. Le sacrament. Aïe, c'était ça. La face à Mario qui nous a ramassé. Il nous cherchait. Il n'y avait pas de cellulaire dans le temps. Là. T'as pas impressed? Ah, il était pas impressed. On n'a pas dit un esti de mot de la ride. T'es intimidant, Mario. Là. Oh mon Dieu. Quand il y a une veine qui pop dans le front, là, don't be there. Ooh. Mais, oh les fuck. Mon père, c'était le genre de gars. Là. Il vient me ramasser chez ma blonde. Là. Je m'en viens pas cogner à la porte pour venir te chercher. T'es dans la fucking fenêtre, pis t'attends que j'arrive. Parce que quand j'arrive, je le mets même pas en park. T'es bien une dehors. Pis je continue à rouler pis cours après avant. Saute dans le char Terminator style. Parce que you're not gonna make it. Non, mais mon père était strict. Mais il était toujours strict. Tu savais à quoi t'attends. Ouais. Quand on s'est fait suspendre à l'université, au high school, on s'est fait suspendre un tournoi de hockey. Pourquoi? Parce qu'on était à un tournoi de hockey, puis on était des adolescents, mais on n'avait pas le droit de boire, évidemment, parce qu'on avait 16-17 ans, là, quelque chose comme ça. Mais on est allé au Eastside Mario's, puis pour quelque type de raison, la fille qui nous a vendu la boisson, elle savait, là, Chris, comment qu'elle peut pas savoir, on est comme 8 gars tout ensemble, pas une date, là, tu sais, comme... Je peux-tu avoir un pitcher à toute la gang? En tout cas, on a pogné un pitcher, on a bu de la bière, puis là, quelqu'un nous a vu, puis là, le prof, il avait pas le choix de nous ratter out. Ouais. Mais là, moi, cette fois-là, j'avais pas joué, j'étais blessé. Mais j'avais quand même été avec l'équipe parce que c'était mon team, puis c'était mes chums, puis tout ça. Fait que j'ai dit à mon père, je vais y aller. Mais avant de partir, il dit, là, va pas boire plein de boissons, puis tout ça, parce que dans ce temps-là, je jouais junior, puis tu sais, tu bois de la boisson quand t'es underage, mais t'es avec des gars de 20-21 ans. Fait que t'as comme pas le choix. Mon père était comme correct, mais tu sais. Fais tes affaires. Fais tes affaires, mais sois bon à l'école, t'es correct. Mais là, il dit, va pas boire, tabarnak. Là, ben, on revient à l'école, le prof, il nous dit, ouais, ben là, vous avez vu boire de la boisson, puis... C'est le prof qui vous a vu, c'est quelqu'un non, qui vous a raté? Non, c'est un, je veux pas commencer là-dessus. Un autre joueur. Non, c'est un le bus driver, j'ai entendu dire, c'était le bus driver qui nous a vu, il a dit au prof. Oh, le prof, il avait le... On s'en va casser sa boîte à mal. Mais il aurait pu pas, mais il l'a pas fait. Anyways, on était comme 8 gars qu'on s'est fait suspendre. C'était toute nos 12e année, on a juste pris un pitcher, il nous a vu juste prendre un pitcher pour dire comme... On a fini. Mais on avait pris bien plus que ça, mon ami. Ben oui. Hey, moi, je jouais pas. Le coach, il rentre dans la chambre. J'ai une bouteille de Gatorade. 90% vodka, un petit peu de Gatorade. Le coach, il rentre. Là, il dit, ah, hey, les boys, ils parlent, tout ça. Hey, j'ai soif, ça va pour pogner ma Gatorade. Sacrément, je pogne la Gatorade. Jug la Gatorade. Oh non! Là, le coach, il dit, ben voyons, crime, t'aurais pu m'en donner une coupe. Ah, non, j'avais bien soif. Hey, pété, là. Je me réveillais, j'étais dans le couloir en boxeuse. J'allais en bas au front desk. Je disais, I need a key for 2:15. Il me donnait une clé, je rentrais dans la chambre. 4-5 heures plus tard, je me réveillais encore dans le boxeuse, dans le petit hallway. Anyway, tout ça pour dire, On est de retour. Ah, fait que, ça fait suspens. Là, j'arrive à la maison. Tu sais, il faut que je dise ça à mon père, t'es en train de souper. Hey, Pop. T'sais, au tournoi. Puis c'était juste moi, mon père, mon frère, dans ce temps-là. T'sais, ma mère était pas là. Fait que là, ça, c'était à Elmer? À Bourgette. Non, t'étais au high school. Fait qu'on t'a ah Bourgette. Oui, c'est vrai. Fait que là, je dis à mon père, tu sais, au tournoi, ben, on a bu de la bière. Hein. Mais il dit, Callis, Josh, je t'ai dit pas boire. Là, quelqu'un vous aurait vu, là, t'aurais pu. Ben, on s'est fait boire. Pas là, là, check bien ça, ils vont vous suspendre. Ben, c'est pour ça que je te parle. Je me suis fait suspendre une semaine de l'école. Hot! Pendant que tous les autres gars que je connaissais, ils avaient comme la semaine off, ils allaient jouer au hockey, sur le rink, whatever. Non. Moi, là, mon père partait à 5 heures le matin, il me réveillait. Tu vas faire ça, tu laves les fenêtres, tu laves les murs, tu laves les planchers, tu vas faire ci. Quand je reviens travailler, là, tu peux arrêter de travailler. C'était ça pour ma crise de semaine. Oh, nice. Ça pas valait la peine. Oh, wow. Mais comme tu as dit, l'attitude old school, j'ai pogné ça de mon père parce que c'est old school. C'est pas une méchante chose, ça. Calique, non. Puis je suis même avec mon gars. Puis il regarde, on est allé voir les 67 contre les Olympiques de Hull. Faisait fête que le Christ. Des adultes qui allaient se réchauffer. Ouais. Mon gars, je dis, hey, on est correct, on danse. Ah oui, on danse, on dansait, crime. Il a regardé toute la game, il est resté jusqu'à la fin, puis il a pas chialé qu'il avait fret. Puis là, il manque une oreille aujourd'hui. Ouais, ouais, puis... Il y a un orteil noir. Il y a un orteil noir, mais il est tough. Il est tough. On va y couper avec un ciseau, mais il broye pas, le gars.
J'aime ça, man. Ton père t'a jamais frappé, par exemple? Ben non, puis il aurait. Ben le mien, oui. Au jiu-jitsu, il m'a frappé, mais pas. Est-ce qu'on s'astinait, moi puis Marthe, l'autre fois, t'as-tu pris des cours de jiu-jitsu? Ben toi? Oui, longtemps. T'es-tu black belt? Brown belt. Il t'avait dit de quoi? Je peux pas enregistrer black belt parce que c'est trop dangereux, mon frère. Non, j'aurais dit que j'ai rendu à vert, je pense. C'est quoi ça, vert? Mais ça, c'est un autre style d'affaires. Comme les arts martiaux, maintenant, là, t'as un jeune de 8 ans, il est black belt. Va donc chier, tout de suite. Je te fous, c'est pas possible? Ben non! Martin! Je connais rien là-dedans. OK, c'est comme dire un jeune de 8 ans, là. Bon, mais t'es niveau NHL. C'est le plus haut. Black belt, c'est pas nécessairement le plus haut. C'est comme première dame, deuxième dame. Là, ça va un petit peu plus haut. Là. Peu importe la hauteur. Est-ce qu'un money, c'est dame-dame? Van-dame. Ouais, Jean-Claude Van-dame. Là, tu fais des splits. Moi, je pense que c'est pas une bonne comparaison, là. Dire que. Ben, t'as 8 ans, à 8 ans, t'es dans la NHL. Non, tu peux pas avoir une black belt. Oui, mais t'as quand même appris tout ce que t'as besoin de faire pour être un black belt. Ben, ça cause. Non, ils ont changé quelque chose pour être une black belt. C'est pas. Être une black belt, là, ou n'importe quelle belt, là, c'est pas apprendre un move, deux moves, j'ai un petit gars sur mon épaule, je le flip à terre, that's about it. Oui, tu sais ça, faire ça. Ouais. T'es-tu vraiment you mastered your art. C'est ça que c'est censé être black belt. You've mastered it. Ou first dam, whatever, le dam, le nom montant, il y a plein d'affaires. Là. Mais comme quand t'es rendu là, t'es censé être. C'est juste. C'est supposé être un goddamn. Un goddamn first dam. En tout cas. Goddamn. Mais quand mon père avait son école de jiu-jitsu, t'avais pas une belt à tous les trois mois. Wow. Mes parents, c'était tu vas passer. Mon père, c'était you gotta friggin' earn it. Puis si tu l'avais pas le test, l'année prochaine, tu vas être encore yellow belt. Puis tu vas faire un an jusqu'à temps que tu vas l'avoir ta orange belt. Puis il n'y avait pas une friggin'. Moi, j'étais son fils. Puis j'étais pas une black belt, là. Non, je faisais les mêmes cours que tout le monde. Puis il y avait no way que je saute deux. Mais maintenant, c'est un moneymaker. Ah, faut que tu prennes ton test. C'est tant d'argent. Pour ta belt, c'est tant d'argent. Tant d'argent. Next thing you know, en dedans de 4 ans, le jeune, il a rendu black belt, mais il a payé comme 1800$ de stock. C'est de bien mieux à ce gym-ci que ce gym-là. Mon garçon est déjà rendu black belt. Ben oui, regarde, mon gars, il est black belt. Le tien, il est juste yellow belt. Le yellow belt, le point d'un chokehold. Tap out! J'aimerais ça, c'est des cours de jiu-jitsu, mais j'ai jamais fait ça. Je sais pas, peut-être quelqu'un sur le podcast, sur la Facebook page de la visite. On n'a pas le choix d'en faire un, là. Ben oui, pas nous coller, hein? Parce que peut-être quelqu'un va nous en montrer un bon, un vrai. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais savoir, moi? Mais c'est bien, j'en ai parlé un peu. Moi, j'allais au taekwondo avec M. Demers. Ah, tout est allé là, je pense. On est allé au taekwondo ensemble. Ouais, ta mère nous a ramassé. 4-5 mois. Bonjour, moi, c'est Sylvie Clément. Moi, j'ai dit. Non. Non, c'est par là-bas. Oui, je m'en souviens. Première fois, je raconte ta main. Martin, ton ami du Carec, Jazz, elle t'a demandé si ça va bien. Non, c'est là-bas. C'est là-bas. Je me souviens de ça, vous m'aviez compté ça. Mais tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, là, mais t'es venu à bout de sortir les endroits où le monde écoute le podcast. Oui. Puis il y a du monde à Vancouver, man. Mais c'est même pas si out there. Y a-tu du monde en autre pays? Non. Oui, il y avait comme un écouteur en Europe. Puis il a comme cliqué sa fait exprès. Ouais, comme c'est ça. Sérieux? Qu'est-ce que c'est? Psycho Killers? Bantu. Psycho Killers. Mais on a un écouteur à Vancouver. Un écouteur? Ben, il y a comme 6 écoutes à Vancouver. Fait que j'imagine que c'est pas 6 personnes différentes. On va à Vancouver. Oh my God, c'est beau les arbres. Quand est-ce que tu vas aller voir lui? Il y a un Molly Maid convention. Ouh, fuck yeah, bud. Fait qu'elle, elle y va parce que c'est comme un... Fait que là, moi, je fais rien. Moi, je joue au tennis. Non, c'est juste nous autres. Fait que c'est notre petite vacay tout seul. Avec les kids, on s'en va au Disney Cruise cette année. Oh, j'ai fait un voyage. Ouais, ça a l'air le fun, ouais, ça. Ça a l'air. Faites la belle vie, vous autres. Ben, on travaille fort. On n'a pas une tôle pour nous autres, mais on dépense. Non, c'est important, man. Ah oui, lui, tout à l'heure, j'admire qu'est-ce que vous faites. Ouais, on.
mes petites nièces, là, ils ont cet âge-là, là, de 10 à 6 ans. 10 à 6 à 11 ans, puis mes grands-parents, ben, mes parents veulent l'apporter leur petite fille à Disney. Oh. Hey, ça, t'as 4 filles. J'ai 4. Oh, Alice, 4 nièces, hein? Ouais, Miguel, il y a 4 filles. C'est une machine. Ouais. Puis c'est de 6 à 11 ans, elles sont toutes proches en âge. Oui, hein? Ouais. Ils ont-tu fini? Oui. Dr. Weiss! Je pense qu'il aimerait ça avoir un petit gars, mais. Chum Filou, il fait ça maintenant, hein? Des. Snippology? Oui, Filou. Ça, là, ça peut. C'est pas 100%, ça. Non, c'est 99,9. Ben, tu t'es testé après pour voir. Pareil, si... comme. Oh, ben, j'en connais quelqu'un qui a eu deux jeunes après. Yeah, moi aussi. Pointe-moi pas avec ton doigt, fais juste dire oui, s'il vous plaît. Tap out, tap out! Oh, wow. Tap out. Un des chums à mon père, il avait comme 43 ans, lui et sa femme. Tu piquais avec de la jam? Paf! T'as jamais bien raide? Jamais bien raide. Ouais. Coupe est tombée enceinte. Peanut and jam. Hey, tu restes pas là, tu t'es ben, fait arranger comme moi, là, ma femme m'a demandé, elle dit, si jamais je tombe enceinte, tu fais-tu un paternity test? Ben, call it sweet! C'est juste complètement pas que tu. Je pensais pas que ça allait être. Penses-tu que je suis le cave, moi, ça arrive? Voyons! Voyons! 99,9%. Ouais, mais c'est pas tant que ça, 80. OK. Il y a 1000 couples qui l'ont fait l'opération, toi. Ouais. Il y en a un pauvre cave dans la gang. Pauvre cave. Un paternity test. C'est la même chose avec la pilule, ma blonde. Ouais. Tu sais, c'est. Ouais, mais 99... toi, tu tomberas pas enceinte, calice. Si elle tombe enceinte de toi, elle sait que ça vient de toi. Taburn. Pas la même affaire. Mark, ouais, arrive demain, les boys. Est-ce fuck, je sais pas si t'es arrivé, mais. Je comprends pas. C'est moi qui est enceinte, est-ce que. A poussé son bébé dans moi. C'est comme le gars fait What Scott the... Moore, là. Oui! Scott le Moore. Premier homme. Le ouais. Premier homme. C'est pas qui... Scott. Non, mais non, ben, pas, le, pas, non, Scott pas le Scott Moore qu'on connaît, là, non, non. Malgré que ça devrait l'être. Tu le mérites, mon Dieu. Non, non. Mais le premier homme qui a chargé un bébé ever, son nom, c'est Scott Moore. Get the fuck out. Je savais pas ça. Google it, bitch. Hey, on a dit avoir dit bitch comme 15 fois cet épisode. C'est pas Britney bitch. Britney bitch. Britney bitch. Ouais, ben non, ça c'est. Je savais pas ça. Moi, j'ai faim. C'était une femme. Mange ta main. On a... Garde-la pour demain. Mange ton pied, garde-la pour danser. On va-tu manger une pizza? On a-tu une pizza? Comme tu veux. On va manger une pizza. Ah, puis on vient comme un genre de cut-cut ou on cut? Quoi? Un cut-one-two comme, hey, on s'en va manger de la pizza. Hey, on revient pour manger de la pizza. ou on wrap up puis on va manger au craft. Wrap it up. Wrap it up. Wrap it up. Ouais, je pense que c'est assez. Ça fait combien longtemps? Hein? 2h15. Comment tu sais ça, toi? Le record, Calis. Comment tu sais ça? C'est même pas écrit une part. Mais parce qu'il s'est gagné un corps. Oh my god, t'es bon en arithmétique, toi. De faire tatouer trois sacs sur la jambe. Ben, on commence ouais, on va rappeler là, parce que je pense que le monde commence à décrocher à gueule. Ils sont comme. Ben, non, absolument pas. Tu penses pas? Man, je pense que le podcast, ça a consisté de vous deux qui parlent, puis moi juste. Voyons, les gars, on peut pas parler de ça! Mais ça, en grosse partie, c'est à cause que j'étais placé de travers de même. Je sais, c'est ça qu'on disait. Là, je regardais Jazz. Mais là, allez, c'est pas que je voulais pas parler, j'étais crampé tout le long. On voulait pas que tu parles. On prend de la place. J'ai des larmes, mais j'ai pris de la place aussi parce que je sais que t'es là à toutes les semaines, à tous les deux jours. Fait que tu dirais que tu voudrais que je suis pas là, mais que je suis là. Mark, c'est le médiateur de la gang. Oui. C'est le. The man of reason. The man of reason. Ben, je pense pas que vous devriez faire ça, les gars. Fuck you, le man! Je pense pas qu'on devrait parler de ça tout de suite. Non, fuck you, we're non, carrying on! Là, t'as les trois gars tout nus dans la vanne. Ouais, ben, Jazz. Fuck you, le man! T'es flambant! Ça se dignait! J'ai pas assez sorti de la chambre de bain flambette, mais ma sœur est venue, là. Oh my god! Carl a laissé ses culottes, c'est. Ben oui. Ben, il a monté ses bonnes sœurs. Moi, Carl, leur petit papy, là, c'est comme. Hey boy, Naked Orama. Naked Orama. Ouais, on se promenait à des parties, on était trop rendu en boxeur. Mais c'est une affaire de boys de hockey, ça. Ça, c'est une affaire de hockey. Nous autres, on n'a jamais vraiment fait des affaires. Ouais, j'ai pas joué comme vous autres. Comme... Mais comme on était depuis tout jeune, là, comme 4 ans, on jouait. Flambette en vous êtes vu grandir. Grandir dans tous les sens du mot. Ouais, c'était beau. Dans ce genre d'histoire-là, le pire qu'on a fait, moi et Chris, on a joué une game de basket, no shirts, no pants. Ah oui, un moment on arrive. No shirts against no pants. On arrive chaud ben raide dans les. Hein?
trouve une balle de basket. On va aller jouer au basket. Fait que là, on commence à jouer. Là, c'est qui était No Pants? C'était moi. Je me souviens pas. C'était-tu moi ou toi? Anyway, on jouait No Pants contre No Shirts. Skins versus No Pants. Juste les deux à noisseur. Dou, 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 dou. T'es beau, là. La police arrive. The boys do no game. Le terrain de basketball est toujours à côté d'un parc, en plus. Là. Ouais. Tu dis quoi à ce temps-là? Je m'excuse. You want to play? You win? You got really? Shirts or no pants? What do you want? Alors, les affaires, tu fais West School. No pants! Tu vois West School? Non, t'as pas 27 ans. T'as peut-être bien 5 ans là-dessus. Hey, des fois, j'ai juste de déménager chez eux. Je pensais à ça l'autre jour. Des crushs, t'avais West School. Ouais. T'es voué maintenant, pis t'es comme... Oui. Fuck that shit! Non. Il y en a qui sont encore très belles. Wow, mais ouais. Là, tu développes une amitié avec, puis whatever, puis là, la gap d'âge a shrinké. Ah, ouais, ah, ouais, comme, ouais. Quand t'es rentré en 9e, lui, elle, ou elle était en... Lui, il était assez beau, là. Non, elle était comme en 12e, t'étais comme, oh my God, je peux même pas y parler. Là, maintenant, t'es juste, tu parles, puis whatever. On a des amis qui ont 40 ans, comme... Mais c'est ça. Après que 10 ans, m'aurais pas tenu quelqu'un de 40 ans. Mais non. Comme mais... Camille la Madeleine, tu sais c'est qui? Camille, le frère à Hugo. La ok, ouais, je sais pas c'est qui, mais. Ouais, c'était un enseignant, puis il m'avait enseigné au secondaire. Okay. Puis quand il m'enseignait, ben c'était un monsieur de, ouais. De comme 25 ans là. Monsieur. Mais aujourd'hui, il a 42 ans. Puis c'est un chum. Bon. Fait que c'est, il est fucking drôle, Camille. Mais comme c'est vrai que si tu dis le plus tu vieillis, l'âge a moins d'importance. C'est ça. À moins si on se raise, on parle du coup. Ouais, plus bas, c'est pas la même affaire, mais plus haut, comme, je me tiendrais pas avec un gars de 18 ans. Oui. Je me tiendrais avec un gars de 18 ans, mais comme, c'est. Il y a une grosse gap, mais après ça, une fois, tu pognes comme 25-30, là, tu pognes. Le gars de 40 ans, il est quasiment pareil comme toi. Ah, oui, ben oui. Ouais, comme je me tenais, ben... fin de semaine passée, on était à un party, là, le gars, Holly, il a comme 43 ans, 44 ans, il joue en Europe au hockey, pis tout ça, pis. Son nom, c'est Holly. C'est Olivier, mais tout le monde l'appelle Holly parce qu'il est en anglais, fait que c'est Holly. Il fait pas de la skateboard avec du Holly. Ouais. C'est ça le terme. Moi, je faisais des Holly. C'est pas des Holly Hoop. Holly Hoop. Holly Hoop, t'es une hoop, t'es fait des Holly. On n'a pas fait de grand Holly Hoop, moi, pis toi, Christian. Ah, c'est quand t'as pas bon basket, hein. T'étais bon, pareil. Toi, t'étais bon. J'étais juste comme go-getter, rentre dans le top. Jouer au basket. Mais écoute, c'est ça l'affaire. C'était, on avait une équipe de basket de joueurs de hockey. Ouais, c'est ça. Puis moi, là, je suis des rules. Là, fuck you, mais aller jouer dans la rue, puis là, je suis correct. Mais aller jouer. Rules, bitch. Pas de culotte, mais c'est culotte. Non, mais t'es comme. No pants, bitch. Mais no pants, je suis pas habitué, moi, de jouer en avant des crowds. Là. J'arrivais au secondaire. J'étais stressé. Puis toi, tu me criais des bêtises dans le crowd. Est-ce que tu voulais te tuer, man? J'étais juste aidé. Sacré. Tu m'aurais pas mettre ça avec ça. Hey, t'as marre de mon sweatband N1, puis là, il tirait son gilet, puis il avait son fond comme affaire. Ah, Chris, Chris, t'es important comment que tu paraissais. Ah, ouais. J'étais pas bien, man. J'étais un jeune awkward. Je sais pas. T'es un jeune awkward, tabarnak. T'es pas beau, mais c'est pas grave, là. Merci, tout le monde sait que j'étais un jeune awkward. Mais ben, c'est correct, j'en parle vertement encore, parce que ben, oui. Si jamais joué que mes jeunes sont de même, putain, mais comme, gars, vas-y au fond, Léon. Fais pas ça, parce que tu vas le regretter. Tu vas t'en retenir. Quoi ça, fais pas quoi? Être pogné. Oui, mais tu peux pas dire, sois pas awkward. Non, mais non. Comme... Plus tu dis, plus qu'il vient awkward. I guess, ouais, il a fallu que je le souhaite pour être rendu ce que je suis, là, tu sais. Oui, comme, je te l'enlèverais pas. Ben oui, mais t'avais quand même plein d'amis au secondaire. Ben oui, mais j'étais un jeune. T'as pas un problème, là. Le gars est en dessous du pont, à tous les soirs, à tous les jours, pour dîner tout seul. Les premières semaines au secondaire étaient mêlées. Oui. Non, il voulait me coller une volée au high school. Oui? Oui. Fantastique. Parce que j'avais sorti avec une fille, puis là, toi, t'avais sorti avec elle après, puis là... Oui. Je veux pas dire son nom, là. Non. Pour le vrai? Ben oui. Ah oui. Ah! Ben oui. Là, elle voulait pas rien faire, puis tu pensais que c'était à cause que moi, j'avais fait quelque chose avec. Ah, ouais. Puis j'avais jamais rien fait avec non plus, là. C'était juste elle voulait pas rien faire. Puis là, t'étais comme. Ah, oh, c'est une belle là. Je l'ai eu. Man, tu me fais souvenir des choses qui s'est passées que j'avais complètement. Hey, ton histoire de police de tout à l'heure, là. Ça, là, j'avais complètement oublié ça, man. Moi, non, parce que toi, ton histoire était plus intéressante que la note qui parce s'est que toi, tu t'es juste fait pogner. Moi, c'était toute l'affaire. Ben, pogner. Ça, c'est un bon numéro de stand-up, ça, cette histoire-là. Ouais. Faut t'en sortir des numéros de stand-up, là. Allez-vous faire ça, là? Oui, absolument. T'es-tu game?
Moi, je serais game. Serais bon moi, d'avril. Je pense que je serais capable de faire ça. Fait ouais. Ahmed, là, il est, c'est lui qui est dedans, là, 110%. Puis... Fait qu'on va être 4. Ahmed, Adil, Chris. 5. Moi. 6. 7. Oui, mais quand on était voir la classe de stand-up, là, il était 10. Quelle classe? Parce qu'il y a un cours qui se donne. Il y a un cours. Il y a un cours qui se donne. C'est un cours de 8 semaines. T'as un stand-up qui est vraiment d'expérience. Ouais. Paul, un français. Puis, c'est qui le cave? Il te donne comme genre comment bâtir tes jokes. Il écoute tes jokes. Il dit non, tu devrais dire ça à la place de dire ça. Blablabla. Il dit fuck you, t'es un no-name, de Carlos. Yo, man. Je fais ce que je veux, quoi. Je te dépasse, man. Je te dépasse. C'est toi qui prends des cours à moi, gars. Sors ton calepin. Je te roule, mon esti. Je te roule, mon esti. Je te fume, tabarnak. Le gars qui fait cours d'eau, il avait parlé. Il était drôle. Oui, il était drôle. Ben, chauve, là. Ouais, Paul chauve. Paul Arcand. Pas leur famille. Who fucking cares? On va le rencontrer un moment donné. Ben, okay. Mais ce serait le fun. Fait qu'un cours commence au mois d'avril. J'aimerais ça. Puis c'est juste comme la même raison que. Pourquoi tu fais un podcast? Parce que c'est whatever, man. Pourquoi tu fais du stand-up? Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi arrêter de. De vivre? Tu m'as volé les mots de la bouche. Je te vole les mots de la bouche. Ah, t'avais pas chanté encore? Ben, j'ai chanté dans l'air en même temps que toi. T'étais dans le néant. Dans le néant. Je l'ai dit. Yeah. Je le regardais dans le blanc des yeux. Y a-t-il quelqu'un qui connaît une chanson de Noël en français? Non. Hey, j'écoute Magic 100 Steady. Petit papa Noël. Vas-y, Chris. Quand tu descendras du ciel. J'aime que mec. Hey! J'ai pensé à quelque chose. Avec tes jouets, papa. Dans ma petite école de cul. Il y a des grosses et des moyennes. On avait écrit une chanson aussi dans l'autobus. Ouais. Dans ma petite école de cul, il y a des grosses et des palettes. Des palettes ou des pas belles? Les pas deux, belles. C'est la même affaire. Là, c'était d'autres cool. choses. Puis on disait, j'ai là, ben, là, des boules jusqu'en bas. Oh my God. OK! on enchaîne. Je pense qu'on est dit pour s'en aller au craft en bas. On va aller souper. T'en rappelles, Martin, que tu faisais... God, c'est fini! Salut la visite! Ben, attends, là, tu coupes ça sec pas mal. Là. Jazz, merci, Mégo, d'être venu. Hey, merci les boys. C'était un grand plaisir. Je touche ta main. C'est le fun. C'est le fun d'avoir des conversations avec des gens. Ah oui. C'était un grand plaisir. Puis, merci. Continuez à vous supporter. Oui. Ben, on va te supporter et tout. Ce serait le fun de te revienne. Ben, bientôt. Quand, c'est certain. Quand dans le podcast, 120 peut-être. 120? Ce serait le fun de péter une soirée avec Cowboy puis toi. Ouais. Mais ça viendrait-tu trop loud à 4? Non, on l'a fait avec Adil. Pis, ouais, c'était pas très bon. Non. C'est pas calme. Juste pour être clair, t'as l'air de dire qu'il l'a bien aimé. Ben, oui, j'ai dit tantôt, c'est un de mes top 2. Ahmed puis Adil. Non, Jodan puis Amil puis Adil. Amil. Amil. Ahmed. Ahmed puis Adil. C'est ça. Ouais. C'est ça que j'ai dit. OK, salut la visite. Allez, guys. Bye tout le monde. Buongiorno. Buongiorno.